Yo, salut à tous les amis. Alors, ce soir pour nous, hein, heure Japon, live spécial. Ok les gars, on va faire un topo sur l'arcade japonaise, d'accord? Le collègue avec moi, Gab, hein, Onizu Gab, ce mec-là revient du God Hand. Il a la marque de Berserk juste ici, vous voyez les amis là? Il s'est battu, c'est incroyable. Est-ce que t'as récupéré Kashka? Pas encore, mais j'y compte. Écoute, hein, bah, tu me le feras savoir. Je t'entends pas très bien. Non, tu m'entends pas en principe. Pas du tout. Ouais, ouais, non, mais c'est normal. C'est bon, je te mets juste le soundtrack. Vas-y. On n'entend pas. J'ai pas de retour son. Par contre, eux, ils t'entendent bien. Et moi, ouais, tu vois, je peux monitorer les volumes ici, tu vois. Vas-y, ouais. Donc quand tu parles, tu vois, t'es vert. Ok. Ouais. Ça veut dire que tout le monde t'entend. Super. Voilà. Donc, les amis, ce soir, t'as vu, hey, qu'est-ce que tu penses du petit soundtrack? Stylé. Du petit mix là. Stylé. J'ai fait un mix, les gars, spécial soirée d'arcade. Parce que genre, ce soir, ça va être un programme de ouf. On va couvrir, ça va parler de CPS2, d'Atomis Wave. Salut Babilabi. Putain, les amis, si vous saviez, je reviens de l'enfer. Hein. Je reviens du God Hand. J'étais malade comme un chien. Aigrette 2, on va parler de tout. Mais ce soir, les gars, c'est un live qui est focus jeu de baston. D'accord? Le gars à côté de moi, c'est un gros joueur. À fond, que ça quasiment. De Capcom vs SNK2. Pour citer que ça, ouais, enfin, et bien d'autres. Tous les Street, tous les Capcom, Street, tous les Short SNK, Strike, tous les Sami, tout ce que vous voulez. Tekken 3, en parlant, regardez les gars. Alors, je vous montre vite fait. Il y a une belle collection là. Eh ouais, les gars, regardez. Là, ce soir, on sort un line-up de fou. Regardez. King of Fighters 2002. On n'est pas des joueurs de KOF, mais ce soir, les gars, on vous sort un line-up de fou. KOF 2002. Bien sûr, Mark of the Wolf, le grand Mark of the Wolf. Magnifique. Voilà, ça c'est un des meilleurs jeux de baston. On a aussi la compilation Vampire, Darkstalker, la Vampire Collection. Tu sais que j'en ai d'autres, ça? Ah ouais? Je sais pas pourquoi, j'en ai plusieurs. Incroyable. Est-ce que tu connais Evil Zone? Il y a quelqu'un qui pose une question. Est-ce que tu connais Evil Zone? Evil Zone? C'est vieux, ça, non? C'est quoi Evil Zone? Parce que moi, je connais pas Evil Zone. D'accord. Toi, t'es un gros joueur de quoi, MHK? Toi, t'es un gros joueur de hentai, non? Sword Strike. Ok, les amis, Sword Strike, ça c'est le classique. Le best, la masterpiece. Hein. Quoi d'autre? SVC, KO. Histoire 2, j'aimerais. Ouais, Histoire 2, bah justement, il est ressorti, donc ça, ouais. Je trouve que c'est une bonne occasion. C'est un point, ouais. Salut Tanaka, je trouve que c'est une bonne occasion d'en parler. Comment ça s'appelle ça? Last Blade. Last Blade, ouais. Tu vois, alors ça aussi, pareil, compilation de fou. Tu sais que j'avais une bonne petite compile, hein, mine de rien. Ouais. Et bien sûr, le légendaire. Non, on va pas parler de Bloody Roar ce soir, Umibozu, malheureusement. Et là, on va parler du légendaire Capcom versus SNK2. C'est aussi masterpiece de Capcom. Ça, c'est le jeu qui met tout le monde d'accord, on est bien d'accord? Ouais. C'est le meilleur jeu. Mais tu vas nous expliquer après pourquoi, selon toi, 20 ans après, plus même, non? Ça fait combien de temps qu'il est sorti? 2001. Ouais. 2001, donc ça fait plus de 20 ans. Ouais, 23 ans. 23 ans après, pourquoi ce jeu règne encore en maître? Et pareil, ils vont le ressortir l'année prochaine En compile. Sur ouais. Quoi? Switch, PS2? Ouais, Switch, PS2. Tous les formats. Ah putain, c'est bien. On va pouvoir... Steam, Switch, PS, etc. On va pouvoir jouer en ligne à Capcom vs SNK2, c'est ça que tu es en train de me dire. Et exactement. Bien sûr, les amis, la petite découverte rétro, Tekken 3. Bon, là, j'ai pas la boîte. Hein. Ça, c'est un junk que j'ai trouvé dans un truc. Street Fighter, le 03, hein, ça aussi. Magnifique. Encore énormément joué dans les salles d'arcade. Ouais, c'est un super bon jeu. Tu sais, quand j'y jouais, quand j'étais gamin sur la Play, je me niquais les doigts à chaque fois. On a aussi Vampire, tu vois. Un peu simplé comme jeu, je t'avoue que ça manque un peu. Le Jojo. Magnifique. Incroyable. Et bien sûr, j'ai choisi le 02. Oh là là. Parce que le 02, il est exceptionnel aussi. Mais il est magnifique. Les musiques du 02, même le gameplay, c'était quelque chose. Quoi. C'était une dinguerie. Babilabi, le Tekken 3, premier jeu de mon enfance. C'est le même que sur Dreamcast, celui-là, le Jojo? Je pense pas que... Non, c'est pas le même que sur Dreamcast. C'est, à mon avis, non, c'est pas le même. Ah ouais, j'ai jamais joué sur PlayStation, en tout cas. Petit Virtua Fighter. Alors, j'aurais voulu ce soir, les gars,
Je vous ai fait un soundtrack de malade. Hein. Tu entends là ? Là, on, ouais. On enchaîne sur du Star Strike. Et après, on passera. J'aurais voulu, les gars, faire une petite soirée spéciale Dreamcast. Mais malheureusement, je n'ai pas installé le mode chip HDMI. Ce qui nous pose un problème. Parce que nous, on est Darkstalker, exactement. Je vais pouvoir ressortir mon stick Dreamcast custom USB. Franchement, toi, tu as un stick Dreamcast, c'est ça ? Alors, moi, j'ai un stick Dreamcast. Modifié pour jouer sur PlayStation 2, c'était surtout à l'époque. Ouais. Parce qu'il y avait beaucoup de jeux de combat qui sortaient quand la PlayStation 2 elle est sortie. Il y en a eu énormément qui sont de l'arcade qui sont venus sur PlayStation. Donc il est un style Dreamcast modifié PlayStation. Ouais. Putain, c'est génial parce que tu sais quoi, je sais pas les gars, j'ai hâte de découvrir. Je ne connais pas du tout le monde des jeux de combat. Tu vas adorer Wetou parce que là j'ai le spécialiste avec moi qui va vous expliquer un peu toutes les subtilités. Salut à toi, Keys. Toutes les subtilités de gameplay et pourquoi 20 ans après on joue encore à ces jeux de fou. Ouais, hein, et quelles sont les expériences pour vous les gars quand vous venez au Japon, si vous voulez vraiment vous faire une expérience type arcade des années 90, parce que c'est ça qu'on recherche nous, finalement, c'est ça qu'on adore, type arcade 90, on va tout vous dire. Déjà, alors présentation, lui c'est Gab, les amis, lui c'est un ami à moi que je connais depuis 20 ans. D'accord. Bonsoir. Bonsoir, salut à tous les amis. On applaudit, non, je déconne. C'est la première fois que je reçois sur la chaîne, c'est la première fois que vous voyez en vidéo. Mais on joue énormément en salle d'arcade, on va énormément en salle d'arcade. Et c'est toi qui m'as fait découvrir plein de salles d'arcade. Mmh. Et c'est même grâce à toi que j'ai initié ce premier documentaire sur les salles d'arcade. Mmh. Qu'on a tourné d'ailleurs chez Big One Second. On a un first timer. Salut Grease Hager. Donc moi... les gens qui nous regardent ne te connaissent pas, mais on a fait les 400 coups à Shibuya dans notre jeunesse. Pas que Shibuya, mais Roppongi, etc. Ouais, bah bien sûr, ouais, c'est les 400 coups même plus, hein, peut-être. Les 400 coups même plus. Et nous, on fait partie de cette génération-là qui ont encore eu la chance de découvrir les salles d'arcade à Sentargai et à Shibuya. Tu vois ce que je veux dire ? Bah, la présentation du guest, Gab, d'accord, 20 ans de Japon. D'accord. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? T'es chef cuisinier ? Ouais, c'est ça. Je suis chef. Je suis dans la restauration française, chef. Donc, sur Tokyo. Et puis, je suis arrivé la première fois au Japon en 2005. Ouais. Je suis resté quelques années. Je suis reparti en France après quelques temps. Bref, des raisons familiales. Et je suis revenu en permanence depuis 2014. C'est cool. Ouais. Avec les 400 coups, l'imagination va aller bien loin. L'arcade est mort, désormais on va répondre à ces questions. Moi j'ai une question déjà, toi ta rencontre, parce que j'aimerais déjà savoir quelle est pour toi, comment t'es venu l'idée de venir au Japon ? Comment ça a germé en toi ? Parce qu'on a tous à peu près eu les mêmes flammes, on a initié la flamme quasiment de la même façon, mais toi c'est quoi ta flamme ? Bah, comment ça m'est venu ? Comme tous les gars de ma génération, j'ai grandi avec dans cet environnement qu'on a tous eu à la fin des années 80, début des années 90, c'est toujours pareil, hein, plus ou moins, pour les gars nés au début des années 80, c'est-à-dire le Club Dorothée, le Club et puis ouais. Tout ce qui est les consoles qui allaient avec à la même période, quoi. Les Super Mega Famicom. Drive, Super Famicom, etc. Nintendo. Ouais, donc ouais. Forcément, on a eu un attrait pour le Japon sans même vouloir le chercher, quoi. C'est ça. C'est venu à nous, en fait. On a été matrixé, on a été formaté dès le début. Ouais, voilà, dès ouais. le début, avec naturel. tout ce soft power. On l'a même pas cherché, finalement. C'était disponible à la télé, quoi, puis autour de nous. C'est clair. Et forcément, comme tous les gamins de mon âge, j'étais à fond dedans, quoi. Ah ouais, c'est clair. Comme tous. Dedans. Et puis après, le Japon, comment ça m'est venu ? C'est même pas vraiment lié à tout ça, en fait, finalement, pour mon cas personnel. Hein, il s'est avéré que j'avais un oncle qui a émigré au Japon dans les années 80. C'est au milieu ouf, ça, des années 80. Donc le frère de ma mère. Ouais. Et puis un jour, au début des années 2000, ma mère me dit tout simplement pourquoi tu vas pas voir ton oncle au Japon ? Oh là là, c'est génial d'avoir. Et puis ça a été le début. Mais je crois même qu'il y a quand même quelque part, elle a dû avoir un regret de m'avoir dit ça, vu que je suis parti, quoi. Ah ouais, mais de toute façon, c'est parce que j'avais de la famille au Japon. Ça c'est un peu le côté sombre, pas le côté sombre, mais un peu le côté malheureux. C'est-à-dire que nous, quand on part, on tire un trait, et c'est vrai qu'on tire un peu aussi un trait sur sa famille. Bah bien sûr, ouais, au début, on est jeune et puis on s'en rend pas compte, on a envie de vivre un peu l'aventure loin de chez nous.
plus de 10 000 km de chez nous. Ah, c'est clair. Et après, bon, les années passent et on se dit, bon, quand même, c'est un peu triste pour les parents, quoi. C'est clair. Mais bon. En prenant de l'âge, en prenant de l'âge. En prenant de l'âge, bien sûr. Quand on est jeune, on s'en rend pas compte, quoi. Mais le contexte a fait que, par exemple, toi qui es à fond dans les. Ce mec-là est à fond, les amis, dans l'arcade. Il est à fond dans l'arcade, il fait des tournois, il est dans des équipes avec des Japonais, c'est très rare. En fait, il a fait dans l'arcade ce que moi j'ai fait dans le porno, on va dire, entre guillemets. Tu vois, donc tu as réussi à t'insérer dans un monde, dans une sphère où il y a quasiment que des Japonais, tu vois. Moi c'est ce que j'ai vu quand j'ai été te voir dans les tournois. Tu vas à Big One, t'es avec une t'as une équipe de CVS2. Ouais, bah, de CVS2 et d'autres joueurs dans d'autres jeux, hein. Ça dépend du jeu que j'ai envie de jouer. Ouais. Mais ouais, bah en fait ça m'a toujours fait comment je pourrais dire, comme j'ai toujours beaucoup aimé les jeux de combat, on va en venir pourquoi surtout les jeux de combat, l'arcade aussi bien évidemment, c'est lié. C'est vrai. Ouais. Mais toi, déjà en France, alors on va reprendre un peu, mais déjà en France, avant de venir au Japon, t'étais déjà un joueur de jeux de baston. Voilà, c'est ça. Voilà. Tu jouais à quoi déjà en France ? Bah, en France, tout ce qui était dispo à l'époque, c'était quoi ? Surtout à l'époque d'une association, c'est une des premières qui existait, ça s'appelait la CTPL. Ok. Console Tournament Pro League, c'était à la fin des années 90. Ouais. Ça a commencé à être lancé. Puis c'était surtout Soul Calibur sur Dreamcast. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a putain, quel jeu de fou, les amis. Le jeu qui est derrière, qu'on voit dans l'écran là, Sword Strike. C'était les deux jeux les plus voilà, joués à l'époque. C'est ça. En 3D, c'était Soul Calibur, le premier du nom. Ouais. Et en 2D, c'était surtout Sword Strike. Et c'était les deux grosses communautés. Après, les autres, c'était un peu anecdotique, il n'y avait pas beaucoup de joueurs. Ouais, il y avait beaucoup de joueurs sur ces deux jeux-là. Et on se retrouvait sur des forums et via cette association qui était là, CTPL. Et cette passion un peu pour les jeux de baston, elle a démarré quand ? Elle a démarré avec l'arcade tout petit, quoi. Ouais. C'est quoi le premier jeu qui t'a envoyé du lourd ? Parce que moi j'en ai un, je pense. Alors, comme moi. On en a tous, hein, bien évidemment, mais avant même les jeux de combat, il y a quelque chose qui m'a accroché. Ouais. Et même, je pense, c'est pour un peu tout le monde pareil, c'est-à-dire qu'on n'a pas commencé tout de suite par les jeux de combat, il y avait un genre qui s'appelle le beat them all, beat them all. Ouais. C'est, on va dire, l'ancêtre du jeu de combat, quoi. Final Fight. Alors voilà, moi ça a commencé en 89, hein, quand j'étais gamin, je devais avoir 8-9 ans, un truc comme ça, et puis j'ai vu. Street of Rage, bien sûr. Final Fight dans la salle d'arcade, ouais. En vacances d'été, en passant, en me promenant avec ma famille, je sais plus. Et j'ai fait, ouais, c'est quoi cette dinguerie, c'est quoi ce jeu de fou, quoi. Déjà, les graphismes, c'était incroyable par rapport à ce que nous, on pouvait avoir à notre époque sur Nintendo. C'est vrai qu'à la maison, c'est vrai qu'à l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que l'arcade. L'arcade dépassait de loin ce qui se faisait à la maison. Ça, il y avait un gap éclaté, qui était. Alors que maintenant c'est l'inverse. Hein. Je sais pas si t'as vu Street 6 en arcade. Bien sûr. Il y a de la reconstruction. Enfin bref, c'est très basse résolution. Tu vois que les machines en chient pour passer des jeux comme ça. Mais c'est même pas que ça dépassait, c'est ça éclatait quoi, ce qui se faisait sur console quoi. Sauf si t'avais une Neo Geo qui dit Mokolichan. Alors, on va y venir, je pense, un petit peu après. C'est ta console de cœur, ça, la Neo Geo. C'est dire autrement, ouais. Ça, c'est plus qu'une console de cœur, mais je pense qu'on va en venir après. On en parlera de la Neo Geo. J'ai un autre mot pour définir la Neo Geo. C'était Final Fight, et puis après, en 89, et peut-être un an ou deux ans après, je crois que c'était deux ans après, toujours pareil, en vacances, dans le même bled. Je vois un café. Tu sais, les carrefours à l'ancienne, là, avant, il y avait une galerie avant de rentrer dans le magasin. Exact. Il y avait un café, et puis bah. Je tombe sur la borne. C'est vrai qu'avant, quand on était jeune, c'est vrai que dans les entrées des carrefours, souvent, il y avait des bornes d'arcade. Il y avait des brasseries, tu vois, cafés, des trucs comme ça. Je me souviens maintenant que tu me dis ça, Et c'était une borne debout. Je me rappelle même, c'était même pas les six boutons, hein, c'était du luxe. À l'époque, c'était des boutons carrés. Les petits boutons carrés, il y en avait que trois. Ils les avaient zappés, les autres boutons pour le pied. C'était limité, je sais pas pourquoi, il y a peut-être une histoire autour de ça. Et je vois ça, la galerie marchande, c'est ça, Et je vois le Street Fighter. Je me rappelle même, c'était quoi la démo ? C'était Zangief qui se battait contre Dalsim. Enfin bref, ça m'avait marqué. Ça t'a tellement marqué que tu te souviens encore de la démo. Bien sûr, c'était quoi en 91. Et là, je vois ça, j'ai absolument voulu mettre une pièce, mais c'était c'était un peu interdit, tu vois. C'est ça, les trucs dans les salles d'arcade et les jeux d'arcade, ou même les cafés, c'était un peu interdit pour les gamins de notre âge. On ne pouvait pas y aller. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est et vrai. Déjà, c'est vrai. Juste ça, ça nous faisait baver. Parce que c'était interdit, tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai. On était obligé d'être avec un grand, on était obligé d'être accompagné, tu pouvais pas rentrer comme ça et puis il fallait de l'argent. Il y avait un petit côté interdit, bien tu vois sûr. Ce que je veux dire ? Il y avait un côté interdit et inaccessible, tu vois ? On pouvait pas y aller comme ça, quoi. Il te plaît, ça, c'est ça.
Il te plaît le soundtrack là, hein? Ouais, ça c'est Ibuki, ça. Ça c'est Ibuki sur Strike. Non, ouais, si, c'est, t'as raison, c'est Ibuki. Ouais, ouais. Ouais. Et bah, moi, par exemple, moi, tu sais, j'ai découvert les jeux de baston un peu tard en fait. Ouais. J'ai découvert Street 2 avant les Beat'em All en fait. Moi. Et pour moi, Street 2, les amis, ça a été un choc incroyable. Je pense qu'on l'a tous cassé en deux, le Street 2, jusqu'à temps que, tu sais, les gâchettes sur les manettes de Super Famicom se cassent. Grave. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et mal au doigt avec la croix directionnelle. Ah ouais, ouais, non, mais c'est tout. Même maintenant, tu sais que ce jeu-là, le 03, je crois que c'est le jeu qui m'a fracassé le plus. Salut Mike Inazia, qui m'a fracassé le plus les doigts. Et donc, ouais, tu joues au Beat'em All, tu découvres Street Fighter 2, et après, il y a quoi qui vient après? Ah bah dans la foulée de Street Fighter 2, il y a eu en parallèle, peu de temps après, il y a eu les jeux Neo Geo. Quoi, ouais, ouais. Toi, t'es passé arcade, Super Famicom, direct à la Neo Geo, ou t'as... Parce qu'il y avait quelques jeux de combat sur la Super Famicom. Il y avait le Garou Densetsu, je crois que personne l'avait ce jeu-là, mais il y avait des jeux de combat quand même sur Super Famicom. Il y avait des trucs hyper alternatifs, je vais te montrer, regarde. En plus de ça, il y a plein de titres hyper alternatifs, tu vois. Tu connais le Pretty Fighter, ça, les amis, c'est le genre de jeu de baston hyper alternatif publié qui est sorti sur Super Famicom dont personne ne connaît. Et c'est ça, je te le dis, c'est une dinguerie ce jeu. Ce Pretty Fighter là, ouais, on pourrait même le mettre tout à l'heure si je mais après il faudrait que je branche la Super Famicom. Je crois même il y a des petits tournois de temps en temps. Un casting les gars, hyper nippon. Ça c'est le genre de jeu qu'on ne voit plus. Magnifique. Tu sais que ça là, les gars, je sais pas si vous connaissez, mais ça tue. Moi, Pretty Fighter, vous voyez, ça c'est un de mes jeux préférés. C'est pour ça qu'il aime la PC Engine. Bah oui, la PC Engine, mais t'as raison. Bah, c'est que ça. C'est que ouais. Des jeux comme ça, PC ouais. Engine. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et bien sûr, ça c'est le jeu quand même qui nous a tous mind-blowé, quoi. Bah, bien sûr, pour les gamins de l'époque, c'est... On s'en est jamais remis, quoi. Tu ah ouais, ouais, ouais. Tu cherchais le Pretty Fighter, mon colchien. Tu sais que ce jeu-là, le Pretty Fighter, il est devenu hyper rare. C'est un truc de fou comment il est devenu hyper rare. Donc ouais, donc t'enchaînes direct sur la Neo Geo. Bah ouais, il y avait Street Fighter 2, donc, et puis peu de temps après, il y a eu SNK, là. Ouais, attends, je me rapprochais de toi. Et les jeux Neo Geo. Ouais. Donc, bah pareil, hein, c'est comme tous les gamins de l'époque, je n'ai pas échappé, c'est-à-dire que... Moi, la Neo Geo, je l'ai jamais eu quand j'étais jeune. Bah attends, j'ai moi non plus, je l'ai pas eu quand j'étais c'était, jeune. C'était je la me suis forgé des années après. Là, t'as pas tout de suite, hein, donc... Bah, je l'ai connu, j'ai connu les jeux Neo Geo comme beaucoup de monde, avec les magazines. Ouais, ouais, les bah consoles, oui, plus, les Joypad, les Player One. Et puis vas-y, que quand t'en avais un et qu'il y avait un jeu Neo Geo dedans, quand t'aimais les jeux de combat, je parle des jeux d'arcade même, tout simplement. Mais le magazine, tu le lisais, tu le relisais tout l'été et puis jusqu'à temps qu'il tombe en miettes. Ah, quoi, ça c'est génial, ça c'est génial. Tu pouvais avoir que ça finalement. Même jusqu'à le découper, non. Moi, ça m'arrivait quand j'étais jeune de découper les magazines parce que j'avais sûr, une illustration qui me plaisait. Bien sûr, tu faisais un petit montage, des petits. La belle époque des magazines de jeux vidéo. Mais c'était trop bien après se spécialiser à l'époque. Il n'y avait pas internet, donc c'est tout ce qui nous restait, j'ai envie de dire. Tu vois. Exactement. Et quand tu avais un magazine, mais tu connaissais les textes par cœur. C'est là où on glanait les informations, les gars, les meilleures informations, quoi, tu vois. Ça, c'est. Et alors, comment tu faisais pour jouer au jeu Neo Geo si tu n'avais pas les moyens de t'acheter une Neo Geo? C'était quoi la technique? C'était toujours pareil, c'était limité. Je me rappelle, j'avais demandé un jour à mon père qui m'emmène dans une salle d'arcade à Paris, qui était au boulevard Sébastopol. Elle n'existe plus maintenant. Et je me rappelle comment elle s'appelait, cette salle. Je me rappelle plus. Si, tu te rappelles longtemps. Plus. Ouais, je me rappelle où c'est qu'elle se trouvait, mais elle n'existe plus maintenant. Et il m'avait emmené une soirée là-bas un samedi. C'est pareil, t'étais obligé d'être avec un adulte parce que sinon j'avais joué à un Fatal Fury 2 à l'époque. Ouais. Laisse tomber, j'avais même pas réussi à dormir la nuit. Je devais avoir 9-10 ans. Arrête. Ta pensée, quoi. C'est... Je sais même pas si j'avais dormi une ou deux heures, quoi. C'était Fatal Fury 2. C'était Fatal Fury 2, ouais, à l'époque. Quoi. Ouais. C'est pas le Real Bad 2, hein. C'est le Fatal Fury 2. Non, c'est bien avant. C'est avant le spécial ou après le spécial? J'ai du mal à situer. Le 2, il est avant Fatal Fury spécial. Ok. Après, il y a eu Fatal Fury spécial. Donc tout ça, c'était des. C'est comme je dis, l'arcade et tous ces jeux de combat, c'était beau pour nous parce que c'était inaccessible, tu vois. On bavait dessus, mais on pouvait l'avoir que d'une façon sporadique, tu vois. C'est vrai. Il fallait être avec des grands, il fallait avoir de l'argent, etc. Donc tu gardes ça dans ta tête pendant plein d'années. Ouais. Et après, une fois que ça devient plus accessible pour toi, des années plus tard, bah, tu te venges, entre guillemets. Tu comprends. Ouais, je vois, c'est clair. C'est que c'est la revenge. Bah, de toute façon, on a tous vécu un peu ça. De cette frustration quand on est jeune de rien pouvoir s'acheter, enfin d'être hyper limité dans ce qu'on s'achète, et après quand on devient adulte,
Et ben on possède des bunkers et on commence à collectionner tout un tas de jeux, des fois qui dorment dans des armoires pendant des jours, des semaines, etc. On en a discuté, on a eu des longues discussions là-dessus, sur les collections. Je me suis remis vachement en question sur moi, ma façon de mon approche. Comment collectionner, quoi collectionner, etc. Et j'en ai déduit que finalement, je garde que les jeux auxquels je joue. Et il y en a très peu. Les jeux de cœur aussi. Third Strike, etc., etc. Mais il n'y a que ce truc. Et donc, tu jouais en arcade. T'es rentré, tu jouais dans des associations, c'est ça, au début, tu nous avais parlé. Ouais, c'est ça. Bon, après, c'était sur console, la plupart. Mais c'était des jeux qui venaient de l'arcade, quoi, en fait. C'était les gros hits d'arcade qui étaient disponibles sur console à l'époque. Donc, il y avait des Third Strike, il y avait des Soul Calibur, il y avait des 0-2, il y avait des 0-3 aussi à l'époque. Et puis, de fil en aiguille, ça m'a amené petit à petit après à pouvoir jouer au Japon. Mais il y a Babylabi qui dit, t'as continué à jouer au Beat'em All ? Ou ça t'est passé direct ? Alors, j'y joue de temps en temps. J'y joue encore de temps en temps en arcade, mais c'est mes préférés, quoi. Je vais pas m'aventurer à en découvrir d'autres encore maintenant, mais j'y joue encore. C'est quoi tes préférés ? Mes préférés, ça reste toujours Final Fight Guy ? Non. Mais ça, c'est les versions arcade, déjà. Ouais. Donc ça reste toujours les grandes Capcom, quoi. Ce que j'appelle les grandes Capcom, c'est Battle Circuit, Alien Predator. Ah oui, putain, là, tu nous sors des références de dingue. Il y a eu quoi ? Il y a eu Captain Commando. Ouais. Il y a eu Cadillac and Dinosaur. Ouais. Il y a eu The Punisher. Tout ça, c'est des films de Capcom, ouais, de l'âge d'or. T'imagines quand t'es gamin et que tu prends ça full face. Mais c'est magnifique. Uh-huh. C'est magnifique, ça pète de tous les côtés. Là, t'appuies sur les boutons. C'est coloré, les musiques, ça tue. Les musiques. En fait, ça t'en mettait plein les yeux quand t'étais gamin. C'est une combinaison en fait d'éléments qui font que t'as des doses de dopamine qui arrivent. Devil May Cry, Gladia, c'est beaucoup plus tard. Devil May Cry. Ouais, c'était sur console. Ouais. Ça, c'était sur PS2. C'est jamais sorti sur arcade. Devil May Cry, non. Tu vois. Ouais. c'est quoi déjà celui avec les cowboys? Sunset Rider. De Konami. Incroyable. Alors tiens, il y a. On me fait l'anecdote. Celui-là aussi, qu'est-ce que j'en ai mis des francs à l'époque. Ah ouais. Sunset Rider, ouais, tu pouvais jouer à 4 en même temps. C'était des cowboys comme à l'époque du Far West. Ouais, tu choisissais ton perso, ils avaient tous des armes différentes, des spécificités selon les armes. Et ils tuaient. Les musiques, elles étaient mortelles. Ils étaient vraiment super bien animés déjà pour l'époque. Et j'ai passé beaucoup d'été et de francs aussi dans cette borne. Il y a Umebozu qui nous parle de Tortue Ninja. Il y a eu des Beat'em All de fou. Mais de fou. C'était de quoi fou. Déjà les épisodes versus Shredder ou un truc comme ça. Mais j'ai des super souvenirs Turtles sur Super Famicom. Il est magnifique, quoi, le Turtle in Time. Ouais, Turtle in Time. Putain, il ça il c'est. Il est cher même maintenant d'ailleurs. Franchement, je crois que ça fait partie. Il est super sur Super Famicom. C'est un des meilleurs Beat'em Up de la. Kiki Kai Kai, tu le considères comment toi? Bah c'est un shoot, c'est plutôt shoot them up. C'est plutôt un shoot plutôt qu'un beat. Ouais. Mais les beat them up Konami aussi, c'était un truc de fou aussi à l'époque. Non mais Capcom dominait tous de toute façon. Capcom, SNK, je parle des beat them up. Hein. Capcom, SNK, et puis Konami, c'était ils ont fait des trucs insane à l'époque. C'est l'âge d'or en fait. Ce qu'on a vécu les amis dans les années 80, les années 90, même si malgré tout maintenant les jeux ils envoient du lourd, hein, je veux dire maintenant les Japonais se sont réaxés, on va dire, depuis Capcom, ils se sont sauvés depuis Resident Evil 7. Ils faisaient de la merde jusqu'à Resident Evil 7, ils ont fait que de la merde. À Resident Evil 7, ils se sont dit OK, on va revoir notre copie. On va reprendre un style de jeu qui nous est beaucoup plus qui est beaucoup plus proche de notre style du début, et ils ont envoyé du lourd. Le Resident Evil 4, le Biohazard 4 remake, tu l'as fait. Magnifique. Incroyable. Magnifique. Le Biohazard 2 remake, tu l'as fait. Magnifique. Incroyable. Ouais. Le 3, il était un petit peu bof, tu vois. Il était dans la continuité, mais trop rapide. Ouais, ils n'ont pas passé beaucoup de temps dessus. Ils auraient dû passer plus de temps. Bon, enfin, bref. Il y a Cyril Hack qui demande, vous pensez quoi des anime fighters comme Guilty Gear ? Ah, t'as un avis sur Guilty Gear ? Ça serait très intéressant de l'entendre. Moi, je trouve que la série, c'est une tuerie. Alors, la série en elle-même, c'était pour moi une des meilleures séries de jeux de combat qui a existé. Jusqu'à temps que. Bon, je sais pas si je vais plaire à tout le monde, mais jusqu'au Strive, je dirais. C'est vrai que j'aime Strive, pas du tout le Strive, c'est plus trop Guilty Gear en fait. Il a été polarisant le Strive, c'est-à-dire. Le Strive, ils ont voulu se mettre à la page un peu. Ils ont voulu faire un peu un DBZ Fighter, non ? C'était pas dans la continuité ce qu'ils ont fait dans DBZ Fighter. Ils ont voulu faire un DBZ Fighter, mais ils ont trop voulu changer par rapport à ce que c'était la série. Le jeu, je trouve, il est presque trop beau, quoi, en fait, pour être un jeu de combat. C'est vrai qu'il est beau. Mais j'ai adoré les anciennes séries, quoi.
Ouais. Le Action Core, j'ai adoré même le Revelator, Revelator 2. Et puis toutes ces anciennes séries, ouais, j'ai beaucoup joué dessus. Mais le Strive un peu. Salut petit cœur voyageur. Alors il y a Cyril qui dit trop woke le jeu. Non, il est pas woke le jeu parce que Guilty Gear ça a toujours été une licence. Ça c'est les pures licences japonaises qui sont pas dans les codes, qui sont pas soumis aux codes occidentaux. Tu vois, si tu me parles de jeu woke, là je vais dire Street Fighter 6. Oui, c'est un jeu woke. Mais Guilty Gear ça a jamais été une série woke. Non, ça a jamais été une série woke. Non. Tu vois, c'est comme Tekken. Ça reste dans une lignée. Ouais, voilà, ouais. Dans une lignée. C'est ça que j'ai adoré dans Tekken 8 d'ailleurs. Jeu de malade. Hein. Mmh. Ça, on va le Mokorichin qui dit parlons des vrais jeux d'arcade, les sexy mahjong. Mon genre préféré. Et donc, on en était où déjà? Donc, on parlait de Guilty Gear, on est revenu sur Guilty Gear pour parler de la Neo Geo. Mmh. Bon, voilà. Donc, tu débarques au Japon, tu jouais déjà à Capcom vs SNK 2, tu l'avais déjà fait en console. Bon, T'as découvert ces jeux-là comment? Bah, sans strike. À l'époque, tous ces jeux-là là, qu'on voit tourner derrière, c'était surtout. Il y avait une expression à l'époque dans la presse spécialisée, c'était l'arcade à la maison. Vous allez avoir l'arcade à la maison sur cette console le avec slogan. Les jeux. Bon, il a fallu attendre quand même pas mal d'années avant d'avoir un peu de l'arcade. Dreamcast, à la j'imagine, non? Ouais, Dreamcast, plus PS2. Quelques rares épisodes qu'on peut citer quand même qui étaient pas mal sur Saturn. Ouais. Un KOF 95, c'était une des meilleures émulations qu'ils aient faites. Sur les consoles d'avant, je parle. Ouais. Mais ouais, il a fallu au moins attendre la Dreamcast. Quoi. La PlayStation nous a donné du lourd quand même, hein, je veux dire, les adaptations. C'est clair qu'on n'était pas non plus dans... C'était des adaptations... C'était moins bien que l'arcade. Ouais, parce qu'après, on est arrivé à un moment où les consoles ont été assez puissantes pour être mieux, voire kiff. Dépasser, ouais. Tu vois, avec la Naomi et la Dreamcast. Bien sûr. Je pense que c'est ça qui s'est passé, tu vois. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a même certains jeux, les amis, qui sont mieux sur console, mais on y viendra. Donc tu jouais à Capcom vs SNK 2, sur Dreamcast. Bah, en fait, la Dreamcast, ça a vraiment été une console ultime. Quasiment 100% arcade. Quoi. Ultime, ouais, c'est vrai. Puisqu'ils prenaient le jeu de Sega qui venait des Game Center et ils le remettaient sur la Dreamcast. Bah, leur architecture, Naomi, il fait pour beaucoup, je pense. C'est là qu'ils ont été hyper smart, c'est-à-dire qu'ils ont dit... On va amener l'arcade directement chez les joueurs. Tu vois ce que je veux dire? C'était une stratégie de ouf, en fait. Salut Mimiko, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Salut à tous, les amis. On est en pleine discussion sur la Dreamcast et on dit vraiment que la Dreamcast, c'était magnifique. La meilleure console. C'est mais pour une tout, des meilleures consoles, la Dreamcast. Bah moi, c'est la, moi c'est je vais te dire, j'ai deux consoles de cœur, trois top consoles 3. De cœur. Ouais, vas-y, tiens, ouais, vas-y. Mon top 3 des consoles, je vais te dire. La Neo Geo n'est pas dans mon top 3 de consoles. Ouais, bah on a chacun nos relations avec. Dreamcast, number one, les gars. Je la mets, au-dessous. On a number one. Deuxième, la PS2. Deuxième, la PS2. Troisième, la PS1. Deuxième, peut-être la même, PS2, je dirais même la PSP m'a beaucoup marqué aussi, mais c'est un peu différent. Ouais. Mais la PSP m'a beaucoup marqué. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La Super Famicom? Ouais, non, vraiment, je pense que c'est ces trois-là, en fait. Tu vois. Je suis pas Nintendo, pour être honnête avec toi. Fais voir, qu'est-ce qu'il dit, Mokolichan? Il dit Dream, PS2, Mega Drive pour lui. Samurai Shodown, puissant internet, ça a un peu condamné les arcades sur l'aspect social, malheureusement. Mais on va y venir, parce qu'on va vous faire, les amis, on va vous faire un topo sur, justement, sur l'arcade, ici au Japon. Donc, t'arrives au Japon. Tu m'as pas demandé mon classement. Ah oui, ton classement, excuse-moi. Excuse-moi. Alors, c'est quoi ton classement de console? Ah, je dirais Super Famicom, Dreamcast, Neo Geo, quoi. Super Famicom. Je mettrais la PS2 en dernier, mais... Super Famicom pour les shoots? Non, pour tout. Overall. Ouais. C'est vrai que quand tu me balances un F-Zero, Il y a eu des jeux légendaires sur Super Famicom. C'est vrai qu'il y a Famicom, eu beaucoup de jeux. Il y a eu énormément de jeux. Ouais. C'est vraiment... Quand après... tu compares avec ce qu'ils nous font avec la PS5 actuellement, les amis... Après, ouais, Dreamcast et Neo Geo, parce que voilà, l'arcade, quoi, tout simplement. Ouais. Moi, c'est la PS2 vraiment qui m'a réconcilié un peu, je crois, avec le. Magnifique aussi, la PS2. Les jeux de baston, parce que j'ai eu la PS2 avant la Dreamcast, bah, ouais. Un peu comme tout le monde d'ailleurs. Et Umibozu, lui, c'est Super Nintendo, PS1, PS2. Reaper, c'est Mega Drive, PS1, PS2. Gris Hager, c'est Master System, Mega Drive. Il t'en manque une, on a dit trois. MHK, c'est Super Graphique. Super Graphics, PS2, Super Nintendo. Salut à toi, John Pess. Mais moi, la Dreamcast, c'est la meilleure console. Tu sais que, je vais vous dire, les amis, je collectionne beaucoup. J'ai collectionné beaucoup. À la Nintendo 64, Goldomania, je peux pas. Je trouve que c'est la pire console du monde. Tu m'en voudras pas. À part le Zelda. Bah, c'est pas la pire, mais il y a eu des très bons jeux multijoueurs sur 64 quand même. Hein. C'est,
GoldenEye, les Perfect Dark et d'autres. C'est... Oui, mais c'est... il y a eu des soirées inoubliables. Quoi. Tu peux les compter sur les doigts d'une main. Ouais. Entre ouais. Zelda, Ocarina of Time, magnifique. Majora's Mask, ouais. Perfect Dark, GoldenEye. Mm. Il y en a d'autres, hein, mais Banjo et Kazooie, par exemple, c'est un jeu qui est très connu. Mm. Mais en vrai... Ouais, c'est, ils ont une ludothèque pas super étoffée, mais bon, heureusement, il y avait quand même quelques hits pour pallier à ça, mais en multijoueur, elle était vraiment bien. C'était un peu... est-ce qu'on n'a pas tout inventé à cette période? Qu'est-ce que tu veux dire, Gladia, par la génération actuelle est révélatrice de la société? Remake, remaster, agenda politique, création et passion. Exactement, c'est ça le problème, en fait. C'est pour ça que nous, on a du mal en tant que vieux joueurs de se retrouver un peu dans le landscape actuel et qu'on a tendance à revenir finalement à des bases sûres. Tu vois ce que je veux dire ? Mais en fait, c'est tout. C'est un écosystème aussi qui va avec, tu vois. Il y a ça aussi, ouais. Le truc, c'est qu'au Japon, en 2004, on peut encore vivre justement cette passion de l'arcade. On peut la vivre authentiquement, on va dire, comme elle était vécue dans les années 90, les gars. Mm. Et ça... Je trouve que ça vaut tout l'or du monde. C'est-à-dire quand on va, par exemple, chez Big One, on en parlera tout à l'heure, mais comme je le dis dans l'intro de ma vidéo, c'est un lieu magique en dehors du temps. Mmh. Quand tu passes l'escalade, quand les portes de l'ascenseur s'ouvrent et que tu arrives, direct chose, la première chose que tu vois, c'est les cartouches de CPS2 qui sont comme ça sur le sol, la moquette dégueulasse, avec de la poussière, des mégots de cigarettes, même si on ne peut plus fumer, mais ça peut nous dire qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont fumé ici, les câbles partout. La lumière tamisée, etc. Enfin bref, mais c'est une expérience de dingue. Mais tu sais pourquoi, enfin, tu viens de dire qu'on est resté dans les jeux de cette époque. C'est même pas forcément de la nostalgie, contrairement à ce que certains pourraient penser. C'est qu'il y a eu, dans ces époques-là, des genres qui ont été créés. Ouais. Et ils ont tellement été poussés à un certain niveau qu'ils ont atteint le pic. Ce qui se faisait dans la catégorie. Ouais, en fait. Ouais. Quand tu vois, je l'ai encore vu dans un Game Center il n'y a pas longtemps, sur CPS2, un Alien versus Predator. Ouais. Mais c'est magnifique, ça a trop bien vieilli. Mais c'est quoi? Mais ça a trop bien vieilli. Tu peux mettre Alien Predator, il est sorti peut-être en 94 de mémoire comme ça sur CPS2. Tu peux le mettre à côté d'un Street of Rage 4 qui vient de sortir il y a quelques années au niveau du pixel art. Ils ont atteint un pic à une certaine époque selon certains jeux, hein, pas tous les jeux. Même maintenant, tu fais pas mieux dans le genre en fait. C'est même pas de la nostalgie, c'est que c'était juste magnifique en fait. Non mais je suis d'accord. Puis surtout par exemple quand tu prends un Third Strike. Et que tu vois la fluidité de l'animation, par exemple. Voilà, ouais, c'est ça. C'est ça. La responsivité, comme dit Mokolishan, c'est des jeux qui sont comme ça, intemporels. Mais je suis trop d'accord avec ça. Et justement, et puis même le gameplay, il est tellement fin, il est tellement précis, il est tellement jouissif sur ces jeux-là. C'est intemporel, ouais, c'est ça. Tu vois, que par exemple, tu sais, je vais te donner une anecdote. Hier, j'étais à Shibuya pour Halloween. J'avais rendez-vous avec des gars. Et je voulais tuer le temps. D'accord. J'ai cherché dans Center Guy, les amis, d'accord, une salle d'arcade où je pouvais jouer un petit jeu de baston, j'en ai pas trouvé. La seule salle d'arcade que j'ai pu trouver à Shibuya, alors qu'on traînait beaucoup à Shibuya, et qu'il y avait des salles de fou. Tu vas nous en parler un peu, les salles qu'il y avait il y a 20 ans. C'était un repère. On restait bloqué des journées là-dedans. J'ai cherché, les amis, une salle et des soirées à Shibuya pour jouer à Street 6. Parce que je me suis dit, Street 6, il y a quand même moyen. Tu vois, et ben il a fallu que je revienne vers la Meiji Dori, tu sais, il y a un big camera dans le Taito Station, de l'autre côté du trottoir. Dans un Taito Station au Chikaikai pour trouver des bornes d'arcade de Street 6, mais il y en a plus dans Center Guy. Et quand j'ai été dans un game center et que j'ai demandé vous avez pas des Tyson Game, tu vois ce que je veux dire, il m'a dit non, ici on a que Mario Kart. Ah, je fais putain, l'époque a changé. Hein. Il y a Chris Hager qui nous dit, vous avez entendu parler de la New N64 Analog. Ouais, j'en ai entendu parler, mais honnêtement, c'est pas mon truc. Hein. Et c'est le site en arcade horrible. Hein. C'est vrai qu'il est trop downgradé, il est moche, il est laid. J'ai même pas joué. T'as pas joué? Mais moi, je t'avoue que j'y ai joué un petit peu. J'ai du mal un peu avec celui-là. Moi aussi, pour les raisons que vous savez. Et donc t'arrives... donc là, on va passer sur... T'arrives au Japon. Ouais, on va passer sur la période japonaise, ouais. Ta première... Là, on est il y a 20 ans, les amis. On est en 2004-2005, dans cette période-là. C'est ça, ouais. Toi, t'es venu la première fois au Japon en 2005. Ouais, c'est ça. OK. 2005, c'était encore, les amis... L'Eldorado. Le Golden Age. Le Golden Age. Aogon Jidai. C'était Berserk. Aogon Jidai. Et après, on enchaîne. Alors, quel est ton meilleur jeu de tous les temps? Aïe, 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 aïe. Mais dans quoi aussi? Dans quelle catégorie? Quelle catégorie? C'est vrai, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué. Meilleur jeu de tous les temps, c'est dur. Hein. Un seul, c'est dur.
Un seul ? Un seul, c'est dur, ouais, faut choisir la catégorie quand c'est, même. C'est vrai que... Ok, Goldo, voilà. Choisis-nous une catégorie. Donne-nous une catégorie. Baston, ah, on parle de versus. En versus, est-ce que tu... Un seul, je garde MGS3. Reaper, c'est MGS3. Go sur le versus. Votre avis sur Fatal Fury qui arrive. Metal Gear 3 ? MGS3, ouais. Il y a un collègue là, déjà de Metal Gear 3, ça fait plaisir. Reaper, c'est une légende, Reaper. À chaque fois que je joue à un jeu online, il est là pour me coacher. Ah ouais ? Tu vois ce que je veux dire ? En versus, ok, donc, mon jeu préféré en versus. En versus putain, c'est compliqué hein. Parce que je t'avoue que... c'est compliqué, putain. C'est dur, C'est ouais, Babylabi là, t'es à côté de la plaque, frérot. Là, c'est pas God of War 3, c'est pas un versus God of War, c'est un beat'em all, non? C'est quoi? Un jeu d'action? God of War, c'est un un jeu d'action, style beat'em all. Celle-là, j'ai choisi pour toi, celle-là. Ah, style Street 02, Nash, mortel. Da-da-da. Perso, Gladia, c'est Tekken 3, car jeu de mon enfance. Moi, je vais te dire, tu sais quoi, il faut trancher entre Third Strike et Capcom versus SNK 2, c'est compliqué. Hein. Mais je pense que le jeu auquel finalement j'ai le plus de fun, je crois que c'est Capcom vs SNK 2 en fait. Je pense que c'est mon numéro 1, les gars. Toi ? Moi je dirais, j'ai une réponse en deux parties. Il y en a. Mon jeu préféré, c'est dur de dire entre CVS 2 et Capcom SNK 2 et Guilty Gear. Ah ouais, carrément. Guilty Gear, mais l'ancien, un des anciens. Action Core plus R, pour ceux qui connaissent. Ouais. Et je dirais le jeu de combat par contre qui m'a le plus marqué je parle, c'est Soul Calibur Dreamcast quand il est sorti. Putain ouais, mais c'est vrai que mais c'était un truc. C'est vrai qu'il m'a choqué celui-là. Mais ceux qui étaient présents à l'époque, je sais pas c'est quoi l'âge sur ton de tes viewers en général. Il est sorti en 99 sur Dreamcast, ouais. Tous ceux de notre génération. C'est vrai qu'il a été mind-blowing. Mais c'était un truc de malade. C'est clair. C'était un truc de malade. Il est mind-blowing. Je crois que c'était la première fois où un jeu qui venait de l'arcade était mais pas deux fois plus beau sur console, mais il était 100 fois plus beau sur console. Il était 100 fois plus c'est beau vrai, sur console. Que... Alors il y a EDA qui dit Soul Edge, Soul Calibur. Hein. C'est-à-dire que par là, tu entends quoi, EDA? C'est-à-dire que Soul Edge, c'est ça supérieur à Soul Calibur. Soul Edge, c'est PS1, ça picote les yeux un peu maintenant quand même. Hein. C'est vrai. Mais le story dans les Soul était super intéressant. Ouais, c'était bien. Ouais. C'est de récupérer les armes, les le Edge. Ouais, le Sword, je sais plus les quoi. Les Sword, etc. C'est vrai que Soul Calibur 2, les gars, faut avoir connu là. Soul Calibur 1. Le 2. Soul Edge et Soul Calibur. C'était Soul Calibur 1. Ah oui, c'est Soul Calibur 1. Il y a eu Soul Edge sur PlayStation et il y a eu Soul Calibur, le premier, sur Dreamcast. Gladia, il dit la Dreamcast, c'était pour les privilégiés. Nous, la France d'en bas, on n'avait pas de tels engins. Gladia, t'as deux exemples de la France d'en bas. Ah ouais. C'est même plus, on est tellement dans la France d'en bas qu'on est déjà enterré. D'accord. On est plus bas que le sol. Et on avait quand même réussi Moi, ma Dreamcast, je l'ai acheté en import. Hein. Tu l'avais eu neuve? J'avais eu neuve, ouais. Ah ouais, moi je l'avais eu d'occasion, pas de temps après. Mais ouais, mais j'avais eu neuve, moi. C'était, ça faisait... La PS2, à partir de PS2 Dreamcast, c'est là où j'ai vraiment commencé à acheter des consoles en import, en fait. Ma PS2, elle était Jap. Ouais. Ma Dreamcast, elle était Jap. Salut à toi, Arcelor. Bienvenue, Arcelor Mittar. Bienvenue à tous les nouveaux. Bienvenue, mais posez-vous, les amis. Là, on est en chauve. Je plaisante, Joe, mais il me semble que la Dreamcast était plus chère que les autres. Ah, je pense pas, hein. Je pense que la PS2, c'était kiff-kiff avec la PS2. Ouais, c'était kiff-kiff. Mais après, moi, je l'avais pris d'occasion, donc je me rappelle plus trop vraiment c'était quoi les prix. Mais je me rappelle que le Soul Calibur nous avait marqué, quoi. C'est vrai que le Soul Calibur, quand tu vois la version arcade tournée, tu vois la version console, mais on s'est dit c'était quoi ça. Ça fait partie des baffes qu'on avait pris. T'avais juste à voir les notes aussi dans les magazines de jeux vidéo à l'époque. Il l'avait encensé un truc de dingue. Moi, tu pouvais que l'encenser. Moi, je vais te dire, la Dreamcast, le jeu qui m'a le plus marqué sur Dreamcast, bien sûr, Shenmue, mais avant Shenmue, c'était Biohazard, Code Veronica. Parce que j'étais un grand fan de la série des Biohazard. Il y a des rumeurs comme quoi ça devrait être le prochain des anciens. Ça serait fantastique. Dans les anciens épisodes, ça devrait être le. Ça serait vraiment génial. Parce que tu passais du 3, d'accord, du 3 où tu passais directement à Code Veronica sur Dreamcast, c'est-à-dire qu'on était encore, on était dans du précalculé dans le 3, le perso était en 3D mais hyper polygonal et hyper pixelisé, et là tu passes sur Dreamcast, tu sens vraiment le gap technologique, les persos sont bien modélisés, ils sont lissés, les décors sont en 3D, tu vois, ils ont réussi à transcrire
le qu'on va dire, comment dire, le mood d'un Biohazard PS1 avec du précalculé en Dreamcast en 3D, tu vois. Et le gap était vraiment bien, était vraiment fou. Et je trouve que la transition s'est fait hyper smooth en mais fait. Grave. Beaucoup plus que un point que j'aime beaucoup dans les Biohazard, il était très dur en plus. Ah, il était dur. Il était dur. C'est vrai que le code Véronica, il était dur. Ah, il était dur, je me rappelle. Il était hyper dur. Et bien sûr, les gars, après Shenmue qui est arrivé, qui a cassé la baraque, il faut le dire. Shenmue. Moi, Shenmue, je vais te dire, c'est le jeu qui m'a propulsé en fait. À chaque fois que je jouais à ce jeu, j'avais l'impression d'être dans le Japon en fait. J'avais l'impression d'être le héros. J'avais l'impression même d'être Ryo, Suzuki Ryo, c'est ça, Hazuki Ryo, Hazuki, c'est pas Suzuki, c'est Hazuki. J'ai l'impression d'être Hazuki Ryo, quoi, tu vois. Ah, Shenmue, il en a marqué plus d'un aussi. Shenmue, c'était, les gars, si vous saviez quand la musique est chouette dans Shenmue. Quand ça a dire. Et donc, t'arrives au Japon, on est en 2005, on resitue. C'est quoi les premières salles dans lesquelles tu vas? Bah, j'ai commencé, je crois, de base, hein, comme tout le monde, j'ai envie de dire, à Shibuya. Shibuya. De toute façon, Shibuya, c'était quand t'arrivais, t'étais jeune, t'étais dans la vingtaine, t'allais à Shibuya en premier. Quoi, parce que nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a passé notre vingtaine quasiment exclusivement entre Shibuya et Roppongi, en fait. Ouais. C'est ça, quasiment même Shibuya. Quoi. On traînait dans les rues du matin jusqu'au soir. Ouais, et Léa dit, et quel claque, attends, je reviens, Biohazard 3 en mode art, c'est... C'était difficile aussi, et quelle claque, plusieurs choix quand Nemesis te tombe dessus pendant le jeu. Trop bien les choix, qui te court partout. C'est vrai que le fait de rajouter Nemesis, ça rajoutait une espèce de pression, tu vois, quand tu jouais au jeu. Et ça, ils l'ont enlevé dans le remake, ça, les choix. Ah oui, exactement. Il est plus, effectivement. Bien sûr. Goldomania, lui, son meilleur jeu de tous les temps, c'est Elden Ring. Tu l'as fait, Elden Ring? Alors, j'ai eu un petit problème avec Elden Ring. Bon, bref, c'est, je voulais la version internationale, avec en américain dedans ou en anglais, peu importe. Puis les jeux From Software, quand tu les prends au Japon, il n'y a pas la version, il n'y a pas d'anglais dedans. Oui, c'est vrai, que le japonais. C'est vrai. On From est Software, en 2020 et quelques passés, et il n'y a pas d'anglais. C'est vrai, il n'y a pas d'anglais. Bah, j'ai pas pu y jouer parce que quand même... un peu trop de dialogue avec des kanji, tu sais, au bout d'un moment ça te fatigue. Le problème c'est que ces jeux-là, c'est un peu comme les animés ou les films un peu médiévales, etc. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à lire Berserk en japonais. Parce qu'il y a toujours, c'est hyper dur, ça fait partie des mangas les plus durs à lire en fait, pense. Bien sûr. Avec d'autres trucs, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu tapes un jeu comme ça où il y a des noms de talismans hyper chelous, des trucs à faire qui sont vocabulaire d'heroic fantasy, etc. Ça devient hyper inaccessible, quoi. Et c'est vrai que moi je l'ai jamais fait Elden Ring. Je me sens pas d'investir. J'ai pas pu le faire à cause de ça. En fait. Je me sens après, pas. Après, ouais, toi, je te connais, t'aimes pas trop. Je me sens pas d'investir 80 heures dans un jeu. 15-20 heures, c'est déjà dur. Moi, ça me dérange pas, mais non, j'ai pas eu l'occasion par rapport à ce que je viens d'expliquer, quoi, en fait. Et donc, t'arrives à Shibuya, et donc là, les premières salles. C'était des salles qui malheureusement n'existent plus maintenant. C'était quoi les salles Alors, il y en avait une dans un grand immeuble quasiment à l'entrée de Center Guy qui s'appelait l'appelait Shibuya Kaikan. Ouais, en fait. Shibuya Kaikan, Game Kaikan, c'est vrai que... Elle était sur plusieurs étages. Je me souviens que les bornes CVS2 étaient au Chikaikai, il y en avait, avec des machines de pachinko. Et c'était 50 yens. J'y ai beaucoup joué là-bas. C'était 50 yens à l'époque. Et c'est la première fois, mais je crois que je te l'ai déjà raconté cette anecdote. Dis-moi. C'est la première fois que je t'ai vu. Ah oui, mais c'est là qu'on s'est rencontrés, ouais, exactement. Mais on s'est pas parlé. Ah ouais, t'étais, c'est vrai. T'étais avec... J'étais avec Nino. Voilà, c'est ça. Bon, en fait, c'était... Le Kaikan, c'était un peu la planque. Ouais, c'est là où on tuait le temps. C'était en plein après-midi, je me rappelle. Ouais, c'est là où on tuait le temps. Il mettait une pièce sur CVS2. Ouais. C'est là... Et d'ailleurs, il jouait bien, Nino. Je crois qu'il avait joué juste une partie. Je me rappelle. Il y a Rebaz qui dit « Bienvenue à toi, Rebaz, first time chat. Je viens d'acheter la PS5 tout à l'heure. Je compte faire Elden Ring et Horizon en priorité. » Franchement, éclate-toi. Je pense que l'expérience va être killer, tu vois. La seule chose que je reproche à la PS5, c'est son manque de jeu et son manque de line-up. Sinon, c'est une bonne console. C'était Shibuya Kaikan. Il y avait un autre Game Center qui était 20-30 mètres plus loin, là, sur la droite, qui était Sportsland Shibuya. C'était les deux mains. De toute façon, ils étaient à l'entrée du boulevard de Kaikan, enfin de la rue plutôt. Puis tu pouvais pas les louper. Kaikan, c'était une dinguerie. Hein.
Kaikan, ouais, c'était fou. C'était fou. C'était bah, le game center par excellence, en fait. C'était sur plusieurs étages, ouais, je crois. Il y avait combien d'étages ? 5, 6 ? Il y en avait 5 au moins, ouais. Il y en avait 5 au moins. Je pense, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont connu. D'ailleurs, la dernière fois, quand tu m'as donné des photos, des vieilles photos, tu te rappelles ? Il y avait des photos du Kaikan. Ouais, c'est ça. On le voit. Il y avait les poulicoulas en bas, là. Ouais. Ça, c'était vraiment, les gars, c'était vraiment le. Alors c'est pas World Kaikan, c'est pas le bâtiment de Nakano, Babylabi, mais c'est un autre Kaikan. Tu vois ? Il existe plus le bâtiment, non ? Si. Maintenant. De quoi de Kaikan. World Kaikan ou Game Kaikan ? Non, c'est fini. Et tu sais, il y avait un petit chemin où tu pouvais aller dans le magasin de bouquins par derrière. Ouais, je me rappelle. Et ça, c'était mon raccourci à chaque fois. Ouais. Et avec Nino, on tuait le temps à Kaikan entre quelques dates. Je dois voir une meuf à 14h, qu'est-ce qu'on fait ? On va jouer à Kaikan, etc. Ouais, c'est ça, quand t'étais un peu en avance sur un rendez-vous, peu importe, t'allais tuer le temps là-bas, quoi. Incroyable. Il y avait toujours des joueurs. Quoi. Mais meilleur souvenir. Et après, c'est vrai qu'il y avait Sportsland. Ouais. Alors, Sportsland, c'était autre chose parce que c'était hyper petit. Une relation particulière avec Sportsland parce que c'est. J'ai passé plus de temps à Sportsland finalement que Kaikan. Bah, le Tencho, le Tencho était cool. Le Tencho, ça veut dire quoi ? C'est le Tencho, c'était un peu le responsable de boutique, quoi. Tu vois. Le responsable du Game Center, en fait. Alors, à l'époque où je travaillais, je finissais un temps soit peu tard quand même par rapport au boulot que je fais. Ouais. Et là-bas. Donc, j'arrivais peut-être là-bas vers 22h30, 23h. Et à la base, le Game Center, il fermait à minuit. Ouais, la bonne époque. Mais à force d'y aller, parce que je suis un joueur de jeux de combat et je passais pas mal de temps là-bas, j'ai sympathisé avec le Tencho, qui était assez friendly d'ailleurs pour un japonais. Il y en a, ils sont plus ou moins froids. Je me souviens de lui. Hein, bien sympathique, ce gars-là. Donc, j'y vais des mois et tout ça. Et au bout d'un moment, je fais partie des habitués. Ouais. Et à partir de minuit. Il dit au revoir à tous les clients réguliers, hop, on va fermer. Et tous ceux qui connaissaient, c'était génial, franchement, c'était vraiment l'âge d'or. Tous ceux qui connaissaient, on restait dans la boutique, il allait dehors, il fermait les stores, comme ça, et tous les habitués restaient dedans, et ils mettaient toutes les bornes en freeplay. Ah, c'est génial. Et, genre, il mettait toutes les bornes en freeplay. Il dit, tu veux jouer à quoi, Cyril ? C'est génial ça. Hey, il nous changeait même le système dans la borne selon les jeux, tu sais. Ouais. Si c'était des MVS, il nous rajoutait des cartouches. C'est génial ça. Et ils nous changeaient les systèmes et ils nous mettaient toutes les bornes en freeplay jusqu'à quoi ? Une heure et demie du matin et t'avais tous les habitués qui restaient. Tu jouais gratuit. Pour ceux qui le connaissent trop bien. Tu sais que moi, c'est ici que j'ai redécouvert que c'est ce Game Center-là qui a réinitié chez moi l'envie de jouer au jeu de baston quand il y a le Street 4 qui est sorti en arcade. C'était un gros spot de jeu, quoi. Il y a Cyril A qui demande ton meilleur souvenir de Game Center. Ne ce serait-ce pas Sportsland ? Sportsland, c'était une période, on va dire, c'est pas juste un meilleur souvenir, c'était une période que j'ai vraiment apprécié parce que j'étais jeune et puis là, j'avais sympathisé avec beaucoup de joueurs japonais de l'époque ces Game Center-là, donc c'était un bon souvenir. Mais mon meilleur souvenir, peut-être on en reviendra un peu plus tard, c'était à Big One pour un gros tournoi. On avait fait un résultat en team et après, on était tous partis à l'Izakaya et. C'était super, quoi. C'est vrai que c'était vraiment un bon souvenir. C'était l'année dernière, d'ailleurs. Tu m'as présenté des champions, tu m'as présenté pas mal de gars. C'est vrai qu'ils sont la communauté des joueurs de Kaktogi, enfin de Versus Fighting, sont hyper friendly, en fait. Hein. Ouais, selon les communautés, il y a des communautés qui sont un peu moins ouvertes, on va dire. Ouais. Les gars, ils sont un peu fermés. Bon, ils sont quand même dans le délire un peu otaku. Surtout, j'ai l'impression que c'est le côté SNK, KOF, ils sont plus comme ça. Ouais, non ils sont plus élitistes. Oh, ouais, je sais pas s'ils sont élitistes, mais ils sont moins communicatifs. Ouais. Mais les joueurs de Capcom, ils sont un peu plus ouverts. J'ai l'impression. C'est ce que beaucoup de gens ont ressenti ici, en tout cas. Quand je dis des gens, c'est des étrangers. Quoi. Ouais. Il y a des étrangers de temps en temps dans ces salles-là, mais c'est souvent des Américains. Ouais, bien sûr. Il y a des Français, t'en croises des fois de temps en temps ? Ouais, j'en croise. Des anciens collègues de France qui passent de temps en temps. Ouais. Mais j'ai l'impression que les étrangers dans les salles d'arcade, enfin moi, de ce que j'ai pu voir, c'est majoritairement des Américains. C'est des Américains principalement, ouais. C'est des Américains. Il y a un gros tournoi, là. Peut-être on va en parler après. Ouais. Parce que demain, il y a des Américains. Surprise, ouais. Dimanche, les amis. Samedi, dimanche. Alors demain, c'était Itadakimas. Hein, j'ai besoin de me reposer. Ouais. Mais dimanche, je viendrai couvrir. Je vais essayer de couvrir l'événement en live, les gars. Alors, je ne vous dis pas, que je vais y arriver. Mais je viendrai suivre l'événement dans l'une des meilleures salles d'arcade qui est Big One Second. Donc il y a toute cette étape et t'as toujours majoritairement joué. Écoutez-moi ce theme song.
C'est Snatcher, ça. Ah, stylé. C'est Neo Kobe. Ah, ça vous, les amis. Eh, vous avez pas envie là de marcher dans les rues nippones, les amis, avec une nippone à la main. Ah, avec c'est le mood de la musique. Là, ouais. Ah ouais, non, mais c'est pas ça, quoi. Salut, salut, Vacherin. Salut. On transmet du rêve. Et donc, après, pendant une longue période, t'as joué où exactement? Parce que t'as toujours joué à Sportsland joué à Kaikan. Bah alors, les jeux de combat, c'était, il y en avait un peu partout dans Tokyo. Hein, de toute façon, c'était encore l'époque dans les années 2000. Où il y avait pas mal de game center qui étaient encore très florissants. Ouais. T'avais Shibuya, t'avais Shinjuku, un game center qui s'appelait Carnival, qui a fermé aussi maintenant. T'avais le club Sega Akihabara il a pas fermé, mais c'est devenu Gigo. C'est vrai que ça a été racheté par Gigo. T'avais des salles à Yokohama aussi qui ont fermé pour certaines, mais ouais, la plupart du temps c'était sur Tokyo. C'était Shibuya, Shinjuku, Akiba. En fait, t'avais pas besoin de sortir de Tokyo pour te faire une expérience arcade, alors que maintenant, faut que t'ailles faut que tu sortes de c'est excentré. Saitama, Yokohama, etc., ouais. Fujimidai, ce genre de trucs. Ouais. C'est pas dans le centre, quoi. Maintenant, faut voyager, ouais. Par exemple, tu vois, à Shinjuku, si tu veux jouer, à l'heure actuelle, t'as Sportsland. Mm. Tu vois ce que je veux dire, mais avant, t'avais plein de salles dans Kabukicho. T'avais des vieilles salles dans Kabukicho. Bien sûr. T'avais, l'Amtara, là. Pas l'Amtara, putain. Tu sais, là, tu vois la place Toyoko là, en face de Godzilla là, t'avais un game center. Bah là où t'allais pour ton foulo là, je sais plus. Exactement, t'as les bains publics. C'était Carnival celui-là. Ouais, bah voilà, Carnival, ouais, c'est ça. Carnival. Bah il y avait Carnival aussi. C'est ça, ouais. Carnival. Ça aussi, ça a Mikado, fermé. Mikado qui font. Alors on va répondre un petit peu aux questions. Il y a Gladia qui dit les pro players qui vont à l'Evo, ils ont abandonné l'arcade ou certains continuent à venir. C'est une question sur laquelle tu peux répondre. Les pro players qui vont à l'Evo, s'ils ont abandonné l'arcade? Je sais pas, ça dépend des jeux aussi, quoi. Il y a des jeux encore qui sont joués en arcade. Ils sont 100% sur PC maintenant. Bah, en fait, sur le PC, on peut tout avoir, de toute façon. Tu peux tout émuler sur PC, donc... ceux qui vont à l'Evo, ça dépend des titres. Hein. Les titres récents, j'ai envie de dire, ils sont même plus, on les trouve même pas en arcade. Hein. C'est ça. Ouais. En fait, à part même Tekken, tu vois, Tekken 8, on l'a pas vu en arcade. Non, il est même pas annoncé. Il est pas annoncé. C'est fou quand même. Hein. C'est la première fois qu'un Tekken. Avant, c'était tout le contraire. Ouais, ouais. On peut en parler de ça. T'avais le jeu en arcade des années en avance. C'est ça. Après, tu l'avais sur console et c'était même pas la bonne version arcade. Ouais, c'était une version arcade. Un ersatz de version arcade. C'est ça. C'est une version un peu au rabais, quoi. Il manquait des choses. Il manquait des animations, il manquait des persos, il manquait des trucs. Mais avant, tout se faisait sur arcade d'abord. Et éventuellement, après, tu l'avais sur console des années après. C'est, en fait, c'est, je pense que c'est le PC, le cross-platform qui a tout changé. Mais tu vois, Mike, il vient de me parler d'un jeu. Dead or Alive 2. Ça me parle. Vous là, me connaissez, tu peux en parler plus que moi, là. C'est... Ça, ça me parle. Dead or Alive 2, pareil, un choc. Quand je l'ai eu sur Dreamcast, magnifique. Un choc. Ouais. Et on va dire que la simulation de la gravité est quand même fantastique. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les thèmes... Mais les musiques, ouais. Les thèmes musicaux. Et puis il y a le casting, quoi. Le casting 100% 100% nippon. Il avait de la pêche, ce jeu, en fait. Le Doit, c'était une tuerie. Ouais, les impacts des coups, je me rappelle, c'était des explosions malades, quoi. Ça avait des un boucan pas possible. Et le gameplay basé sur justement l'absorption des attaques, les contres. Ouais, il y avait ça. C'était hyper. Les guns qui rebondissent, c'était hyper, hyper bien. Ouais. C'est dommage que ça a jamais vraiment percé comme jeu. Il y a eu des gros tournois à une époque quand même. À l'époque, c'était la mode de ce jeu encore. Ouais, tu vois. Par exemple, le 5 et le 6, on les a vus qu'à peine, quoi. Tu sais, ils sont sur les cabinets à multiples... Ouais, multijeux, là. Mais sinon, on les a pas vus. Les jeux sont bons. Hein, bien sûr. Les musiques, même l'ambiance, les persos, ils étaient stylés. Mais ça a jamais vraiment percé trop de Dead or Alive. Alors maintenant, la deuxième section, ce que je voudrais, c'est parce que eux aussi, qui sont joueurs, il y a beaucoup de joueurs parmi nous. Ouais. Il y a des gens qui vivent au Japon ou qui veulent venir au Japon et qui souhaiteraient avoir... une expérience, on va dire, originale. L'expérience originale, dirais-je. La vraie expérience d'un vrai game center. Pas les trucs du genre Gigo, Akihabara, machine à pince, Mario Kart, etc. Les vrais trucs hardcore. Est-ce que tu peux nous faire un état des lieux actuel de ces salles d'arcade-là? Comment ça se passe à Tokyo à l'heure actuelle? C'est des salles d'arcade qui n'ont jamais vraiment changé, en fait, depuis l'époque, quoi, j'ai envie de dire, déjà.
C'est, tu rentres dedans, c'est assez immuable. T'as l'impression de faire un bond de ces époques-là. C'est-à-dire 20, 20, 25, 30 ans en arrière. C'est quoi. Ça que j'aime. Il en existe toujours. Ouais. Il en existe toujours. À Tokyo, bon, on peut citer ta Mikado, par exemple. Ouais, Takada Mikado. No Baba. Je suis pas fan de Mikado, mais Mikado, c'est... Alors, moi je suis pas fan d'un Mikado. Ouais. Celui-là, Takada no Baba... Je suis pas fan de Baba, c'est pas que je suis pas fan, c'est j'aime pas trop le, comment dire, la communauté des joueurs. Je trouve qu'ils sont pas très friendly, en fait. C'est vrai qu'à la base, c'était quoi la communauté là-bas, Baba, c'est, Mikado Baba, c'était Mikado des streets Baba, qui a été remplacé par une communauté Mikado Baba, ouais, voilà. En fait, avant le Corona, Mikado Baba, c'était bien, parce qu'il y avait plein de communautés. Ouais, ouais. T'avais communauté Guilty Gear, Fatal Fury Special, Vampire Savior, et il y avait un peu, et 2X aussi. Mais après le Corona, il y en a un, il s'est approprié en gros, on va dire, la salle et les jeux. Il a mis que du Fatal Fury spécial, quoi. Ouais, ça tous c'est les relou. Autres, ils ont dégagé. Toutes les autres communautés ont dégagé. Elles sont exportées ailleurs. Et déjà, à partir de ce moment-là, c'était moins bien, là. Mais par contre, le Mikado d'Ikebukuro, j'aime beaucoup. J'adore le Mikado d'Ikebukuro. Ouais, et tu sais quoi, j'adore l'étage d'en bas, le Chikai Kai, tellement jeux, à l'ancienne. Ouais. Et ça, Mokori-chan, t'adorais, parce qu'il y a des jeux de Mahjong dans tous les sens. Il y a des tables cocktail aussi. Ouais, il y a des vieux jeux d'action, genre Ghouls and Ghosts et tout. Mais tu sais, la dernière fois, chose totalement dingue, là, je passe du Dracula, là. Je l'ai choisi exprès pour toi, celle-là. Ah, ouais. Il y a, l'autre fois, j'ai vu un Japonais qui se fritait à Ghost and Goblin et à Druaga. C'était assez ouf à voir. Ah, ouais. Parce que le mec, t'avais l'impression qu'il connaissait tout. En plus, ouais, c'est intéressant à voir quand les mecs ils ont du level. Quoi. Quand les mecs ils ont du level, c'est vraiment incroyable à voir. Quoi. Ils sont là, ils jouent au pixel près, ils jouent leur vie. Ils sont hyper comme Akai, ils te one credit ça. Quoi. C'est... Donc il y a Mikado à Baba, il y a Mikado à Ikebukuro. Ouais. Il y a quoi d'autre? T'as aussi une station sur la Yamanote Nishinipori. Ah, Nishinipori, ouais. C'est quoi Nishinipori? C'est Nishinipori, Newton Nishinipori, non, il s'appelle. Comment il s'appelle déjà? GameSpot Versus. Ah, Versus, ouais. Voilà. Alors moi, j'aime cette salle, why not? Salut Jarel, hello, je vais à Mikado des fois, mais j'avoue l'ambiance c'est un retour dans le temps, et je vais notamment à celui d'Ikebukuro car j'y vais pas loin. Moi j'adore celui d'Ikebukuro. Ouais, j'adore. Il y a un aussi. Truc qu'il n'y a pas chez Baba, à Baba. En fait, ils ont gardé vraiment l'esprit arcade à Ikebukuro. Voilà, alors ouais. Un truc qui fait la différence entre celui d'Ikebukuro et de Baba, c'est que à Ikebukuro c'est vraiment des passionnés dans le sens où ils dépassent les heures, ils font des heures sup. Tu vois ce que je veux dire ? Normalement c'est censé fermer à minuit. Ouais. La dernière fois, une des dernières fois, je suis sorti, il était 1h30 du matin. Mm-hmm. Tu vois, ça, c'était un des trucs des game centers aussi avant. Ouais, ouais, ouais. Tant qu'il y avait des joueurs, les mecs, tu restais dans la salle. Et depuis le Corona, il y en a, ils ont mis des restrictions au niveau des heures. À Baba, t'es obligé de sortir des fois avant minuit, quoi. D'ailleurs, c'est des anciens, il n'y a pas d'heure, quoi, quasiment. Toi qui as connu ces salles-là, qui les as fréquentées avant le Covid et après le Covid, qu'est-ce que t'as noté comme différence majeure? Bah, c'est ça, c'est ce que je viens de dire, en fait. C'est, en gros, c'est que. Les horaires avant, tant qu'il y avait des joueurs, les mecs ils pouvaient rester, quoi. Et puis tu mettais tes pièces. Ça, et... c'est bien ça. Il y a un truc aussi, une anecdote, je sais pas si tu te souviens, à Shibuya Kaikan. Ouais. Tu te rappelles ce qui se passait après minuit? Je m'en souviens plus du tout. Qu'est-ce qui se passait après? Bah, le gérant de la salle, enfin le mec qui s'occupait de l'étage en question où il y avait les bornes, c'était un petit vieux. Ouais, tu te souviens pas? Franchement, tout le monde était en train de jouer, il criait oh, c'est la dernière! Mais personne l'écoutait, t'étais à fond dans tes jeux. Tu remettais ta pièce, bah, minuit une. Il coupait l'électricité. Et plus, ah plus de bord, oui, plus je rien. Me souviens de ça. Plus c'est vrai qu'il coupait l'électricité. Il y avait juste les lumières exit qui sont toujours allumées en permanence, quoi, en cas de tremblement de terre ou whatever. Je me souviens de ça, effectivement. Et tu te repérais aux lumières exit. Il te coupait la salle, même si t'avais mis de l'argent. Et tu croyais qu'il te remboursait. Il te remboursait rien du tout. Mais, il t'avait prévenu avant, fallait pas continuer à mettre ça. Ah bah c'était une solution. T'imagines, tu ferais ça de nos jours. Et les gens, ils iraient respect, ils sont où, mais ça, même pour 50e, ils se plaindraient, tu vois. Le mec, il venait, il coupait le disjoncteur. Ouais, voilà, c'est ça. C'est fou, ça. Moi, je me souviens que Kaikan, c'était quand même un peu ta deuxième maison. Hein. Ouais, t'en as passé du temps dans ces chiottes à te rafistoler, te remettre un coup d'eau, écoute, etc. Si vous saviez, les amis. Et donc, quoi, il y a ça faisait pas que Game Center pour moi, quoi, on va dire. C'est exactement ça, quoi. Pour beaucoup, d'ailleurs, je pense que c'était un point de c'est là où on venait pour tuer le temps. Il y avait beaucoup de gals à l'époque qui venaient tuer le temps aussi. Ah, il y avait des polygoulas, il y avait tellement de choses, les amis, vous ne pouvez pas imaginer. Et donc, tu as Mikado, donc on reprend Mikado. Nishinipori GameSpot. Nishinipori, c'est pas Game Versus ? GameSpot Versus. GameSpot Versus. Ouais. Après, il y a quoi ? Après, qu'est-ce qu'il y a dans les parages ? Bah, il y a Shinjuku Sportsland aussi. Ouais, Sportsland, c'est toujours, vrai, faut pas oublier. Bien actif, ouais.
toujours bien actif. Et qu'est-ce qu'il y a encore de connu quand même sur la Yamanote ou autour? Un peu de choses près, je crois que c'est tout. Hein. Après, c'est des petits. En fait, il y a des coins, mais c'est anecdotique. Ils ont que deux, trois bornes. Il y a un truc à Shimbashi, mais. Après, non, sinon, il faut commencer à sortir un peu. Des sentiers battus. Saitama, quoi. Ouais, Yokohama. Ouais. Il y a Fujimidai aussi, comment s'appelle la salle à Fujimidai? Il y a Fujimidai Big One. Ah, Big One. Big One Second. Ouais, Big One Second, ça. Alors, c'est à Minami Urawa. Pour moi, les gars, c'est la meilleure salle. Mm. Si vous devriez vous faire une expérience arcade, c'est là-bas. Le Tencho, il tue, il est super gentil. C'est un gars à l'ancienne, quoi, en fait. C'est un gars comme à l'ancienne. Le gars à l'époque de Sportsland. Ouais. Quoi, en fait. C'est vrai que c'est un gars à l'ancienne. Ouais. Et tu sens que c'est un passionné, en fait. T'sais, il veut rien entendre parler d'autre que de l'arcade, quoi. Ouais, quand tu lui parles. Et ouais, c'est en fait toutes les communautés. Je me retrouve dans ce gars-là, tu sais, un peu. Beaucoup de communautés sont transférées là-bas parce que ils ont compris que c'est un truc de passionné, quoi, là-bas, en fait. C'est un petit chemin quand même pour y aller. Ça fait quoi, 40 minutes à peu près en train. Ouais. Mais ça vaut le coup. Et puis il y a toujours du monde. Il y a toujours des joueurs. Ils vous mettent ce que vous voulez comme jeu à partir du moment où. Où les bornes ne sont pas prises par d'autres joueurs. C'est trop bien. C'est une atmosphère, les amis. C'est là où j'ai tourné mon intro de ma vidéo sur les Game Center, tu vois. Il y en a qui demandent, est-ce que tu as des recommandations de salles à Osaka? Tu en as ou pas? Moi, Osaka, non, je ne suis pas très non. Osaka. Mais Osaka, tu vois, là, je reviens d'Osaka et je vais vous dire, vous allez à Shinsekai, Shin Imamiya, c'est rempli. Les Shotengai à Osaka sont remplis de petites salles d'arcade. T'hallucinerais. T'hallucinerais. Et t'as des jeux, t'as beaucoup de jeux de combat. Hein. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas genre la salle spécialisée, mais c'est des salles en fait qui mélangent tout en fait. Tu peux avoir. Ouais, trop bien. C'est un peu des Mikado en fait. Ouais, trop bien. T'as des mini Mikado, des plus grands Mikado, mais c'est un peu ça. Et c'est dans des Shotengai hyper Showa, avec des petites mémés, etc. D'ailleurs, la plupart des gérantes, c'est des mémés. Bah ouais, bien sûr. Trop bien. Et c'est une ambiance qui est en dehors du temps. Mikado, et après, il y a quoi d'autre alors? C'est à peu près tout. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, la culture arcade repose sur le dos de ces cinq salles-là. Ouais, c'est ça, ouais. En tout cas, à Tokyo, ouais, c'est assez anecdotique maintenant. Il y a encore quelques années, il y avait quoi? Plus du double. Hein. Ouais. Plus du double. C'est vrai qu'il y a eu. Les game centers se sont fait décimer, j'ai envie de te dire. Et c'est vrai que c'est hyper triste. Il y avait des rivalités dans les salles d'arcade, genre des clans, des gens qui représentent une salle d'arcade lors des tournois, etc. Des rivalités par salle d'arcade. Ouais, bah il y en a, des fois ils se présentaient au tournoi avec le nom de la salle d'arcade. Le nom de la team, par exemple, c'était le nom de la salle d'arcade en question. Ouais. Et ils se présentaient dans un tournoi sur le jeu en question. Ouais. Et voilà, comme quoi tu la représentais, ouais. Donc ça faisait quelques rivalités en quelque sorte, ouais. Mais c'était bon enfant, il n'y avait pas, ouais, eux on les déteste là-bas, nous on est plus forts, ouais, enfin ça dépend. Mais en plus on vient de louper, on n'a pas parlé de Game Newton, qui est quand même hyper important avec Matsuda-san. Ouais, y a c'est Game lui Newton, qui fait vivre les veaux, c'est lui qui porte les veaux. Il y avait Beat Tribe aussi avant. Ouais. Beat Tribe, je crois que ça existe depuis quelques années aussi. Game Newton, ce qu'il faut dire, c'est que vraiment maintenant... Il y a Mike Asia qui dit qu'est-ce que tu penses, à quoi c'est dû la disparition progressive des salles d'arcade. Je peux te laisser expliquer, moi je vais juste chercher un truc à manger. Ouais, vas-y. Explique à Mike alors c'est quoi la disparition progressive des salles d'arcade. Ouais, bien sûr. Bah, il y a de plus en plus au fur et à mesure des années. Il y a un truc qui était bien avant, c'est qu'on avait, comme je viens de le dire tout à l'heure, on avait les jeux d'abord sur arcade, quoi, en fait. Ouais. Donc, quand tu voulais jouer à un jeu nouveau qui sortait, dans ces catégories-là, beat'em up, shoot'em up, ou même les jeux de danse aussi, on n'en a pas parlé. C'est vrai que c'était les jeux de combat, tu étais obligé d'y jouer sur arcade. Et il se passait des mois, voire des années avant que ce soit adapté sur console. Donc, ça faisait vivre déjà ce lieu-là en question. Tu vois. Au fur et à mesure, en fait, que les consoles elles sont devenues plus puissantes, bah, ça a été de plus en plus simple d'adapter ces jeux d'arcade qui étaient quand même assez performants pour l'époque. Ça a été de plus en plus simple de les adapter sur console. Donc on a eu de moins en moins eu besoin de faire des jeux en arcade en priorité. C'est devenu après quasiment au même niveau des dates de sortie, je pense. Ça sortait quasiment en même temps. Et puis après, il y a eu d'autres facteurs comme par exemple les smartphones, je pense. Ça y a fait aussi. Les gens n'avaient plus besoin d'aller en game center pour s'amuser, quoi. Ils avaient des équivalents, des pseudo-équivalents avec leur cell phone. Et puis ça y a fait pas mal, quoi. Ça aussi, par exemple, ça a fait pas mal de...
Mais c'est fou parce que les Japonais, j'ai l'impression que c'est les premiers à avoir lâché les consoles, en fait. Ah tu vois, ils ont switché direct sur le smartphone, ouais, sur les consoles portables. Ouais. Et ils ont lâché les consoles de salon, tu vois. Hmm. Donc je pense que ça joue aussi sur le déclin. Hmm. Les gens qui vieillissent aussi, peut-être aussi le fait que... Mais il y a des nouveaux joueurs qui viennent. Hein. Tu vois des nouveaux joueurs qui viennent. Ah, en arcade, tu en veux arcade, dire ouais. Il y en a, mais c'est anecdotique quand même. Ça reste assez anecdotique. Mais ouais, il y en a quand même quelques-uns. Ouais, les Japonais jouent carrément beaucoup plus sur en la fait, Switch. En fait, il y en a quand il y a des compilés des fois qui ressortent. Ouais, ouais, tu vois ce que je veux dire ? Là, ça redynamise. Voilà, c'est ça. Ils se disent à la base, le jeu il vient d'où ? Ils regardent et puis ils voient aussi qu'il y a des joueurs avec lesquels on peut jouer en arcade dans Game Center ou whatever. Ouais, ouais. Mais il y a un truc aussi avec l'arcade qui est bien, c'est que c'est beaucoup plus social que ce qu'on pense. Ah, ça en fait. Tue, bah ouais. Oui. En fait, quand tu joues contre un gars, même s'il est de l'autre côté de la borne, je prends l'exemple des bornes versus, hein, je prends pas l'exemple des bornes côte à côte. Mais je déteste les bornes côte à côte. Moi aussi, je déteste. Je déteste voir le gars contre qui je me frite. Quelqu'un à côté de moi, tu sais, qui te pousse, qui te met des coups quand tu joues comme ça. Il suffit que tu joues à côté d'un gros et puis là, c'est fini, quoi. C'est, tu vois. Bah, en fait, Gladia, c'est ça. En fait, quand le gérant mourra, mais il y a une histoire avec Big One. On la racontera après. Vas-y, continue. Ouais. Donc, je disais, c'est beaucoup plus social que ce qu'on pense parce que quand tu vas jouer avec les gars. Tu vas jouer parce que t'as envie de versus, tu vois, mais tu connais pas la communauté ou tu connais pas les gars en face. Et au fur et à mesure que tu viens, et les gars te voient et te revoient, etc., des fois ils viennent te parler ou tu vas leur parler. Et là, tu commences à élargir ton cercle de. Tu commences à faire partie de la famille. Ouais. Voilà, c'est ça. Après, ça commence à parler d'anecdotes, du jeu, des techniques, de machin. Après, tout le monde va à l'izakaya, va boire un verre ou va au restaurant. Et franchement, ça, c'était un truc dans les game centers qui était bien, quoi, en fait. Plus que. Le genre lui-même, là, je parle. Ouais, je parle du truc social. Ah, maintenant, c'est quoi Enfin, je suis pas trop dans cette génération d'être avoir un casque et d'avoir un micro et de jouer chez toi juste derrière un moniteur. Ouais, même ouais, si je tu vois. Parles à des gens, tu vois. Ouais, ouais. Les game centers, c'était trop bien pour ça. Tu voyais les autres, tu rigolais. Oh là là, putain, j'ai failli te tuer. Je dis, mais non, tu m'aurais jamais tué. Tu vois, ça se charrie et tout ça en face à face. Après, bon, ça se téléporte à côté à l'izakaya ou ce que tu veux. Et puis, tu vois, ça crée des relations, quoi, en fait. Et ça, pour ça, les game centers, ouais, c'est trop bien, même maintenant, de nos jours. Ouais, c'est un des trucs qui fait que j'aime toujours y aller, autant. Tu vois. Moi, ce que j'aime, c'est un peu le process, aller manger son petit ramen. T'as vu que moi, quand on va à Big One, il y a le chinois en bas. Il nous le conseille, il dit c'est un pote. Il dit c'est un pote et tout, on va manger. Enfin, trop bien. Tu vois, les parties entre potes sur canapé aussi, bien sûr, quand il y a des gens autour, des humains avec toi, j'ai envie de dire. C'est clair. Les game centers, ouais, c'est super pour ça, c'est génial. Et en plus de ça, ouais, il y a ce côté. Est-ce que t'as des anecdotes ? Mais c'est Internet hein, qui a tué un peu tout ça, quoi. Tu vois, les gens sont devenus flemmards, ils ont plus trop envie de sortir. Bah c'est ça. Il y a ça aussi. Il posait la question à un de tes viewers qui disait pourquoi ça, la disparition progressive. Ouais, voilà, c'est ça. Bah en fait, quand t'as tout à la maison, pourquoi sortir, quoi ? C'est ça. Sortir ? Quand tu peux jouer chez toi. Mais tu vois, je déteste jouer en solo sur. Ouais, moi aussi, à part si c'est un jeu en solo, bien évidemment. Voilà, s'il faut s'entraîner pour avoir des catas un peu spéciaux, etc. Tu sais quoi, je préfère prendre un petit train ou un petit métro. Bon, moi, ça va, j'ai des trucs assez dispo près de chez moi. Je préfère me faire un petit trajet et un peu je vois du monde, je m'aère et puis je vais voir les autres, quoi. Il n'y a pas aussi le coût de l'entretien. En fait, Mokkoli, les bornes, c'est quelque chose qui perdure assez bien dans le temps, en fait. Hein. Notamment les Atomis Wave, hein, qui sont increvables. Tu vois ce que je veux dire ? Les Blast Lithics sont moins... Qui fail beaucoup plus vite qu'une Atomis Wave. Une Atomis Wave, il y a très peu de coûts de maintien. Il y a aussi les CPS, les motherboards aussi, qui claquent. Ouais, tu vois ce que je veux dire ? Et puis la CPS2, il y a un système de protection qui a été hacké récemment, tu le sais, ça ? Ouais. Ils arrivent à faire un revival, en fait. Parce qu'à l'époque, quand tu avais la pile qui maintient le système un peu, tu vois, en vie, quand cette pile-là claquait, tu ne pouvais pas la changer. Le système mourait. Et maintenant, tu as des programmeurs, des hackers, etc., qui ont réussi à trouver un système de revival pour changer la pile et faire revival la motherboard, en fait. Ce qui est assez dingue. L'électronique, c'est ça le problème, en fait. C'est ça. Mais généralement, les Atomis Wave, il y en a encore beaucoup. Hein. Ouais, des Blast City, il y en a encore beaucoup. Hein. Bah, dans ces systèmes de jeu, tu avais qui tenaient plus ou moins la route sur la longueur, puis tu avais qui étaient. T'en as d'autres qui sont beaucoup plus fragiles. Par exemple, le GD-ROM, Naomi. Ouais, ça c'est vrai que c'est fragile. Il y a souvent des problèmes. Tu joues à CVS2 et tout d'un coup, t'as le système qui reboot là. Bon, ça le fait pas à chaque fois, mais
y en a qui sont plus ou moins fragiles quand même. C'est vrai que mon Colichan, après, au bout d'un moment, c'est vrai que les tubes cathodiques, ils ont quand même une durée de vie. Je crois que je ne sais pas combien d'heures ils peuvent supporter. Mm. Mais bizarrement, moi, j'ai eu des échos comme quoi, franchement, Atomis Wave, c'était la bande d'arcade qui était incroyable et qui était hyper facile à réparer. Ouais. Ouais, même le cathodique, il est réparable. Mm. Et au Japon, j'avais posé la question à Deshikawa-san. Mm. J'avais posé la question, je lui ai dit, écoute, j'aimerais acheter une bande d'arcade. Qu'est-ce que tu me conseilles comme bande d'arcade? Il m'a dit, surtout pas de Blast City. Tu te rappelles, au bout d'un moment, regardait les bandes d'arcade. Ouais. Je me disais, tiens, ça serait bien peut-être de... Tu te rends compte, alors que tout le monde me disait, enfin, je sais pas à quel point ils s'y connaissent, mais tout le monde voulait une Blast à un moment. Quoi. Mais tu sais, moi, je le vois avec la géométrie des écrans. Ouais. Le cathodique, je sais pas si vous voyez, mais le cathodique des Blast City, je sais pas, ça doit être le processus de fabrication, bah, tu vois qu'il se bombe à l'intérieur. Tu vois que la géométrie part en couille. Mm. Tu regarderas sur les Blast City. Ouais, ouais. Et certaines fois, les Blast City, tu as des écrans qui sont hyper baveux. Mm. Alors que l'Atomis Wave, le cathodique utilisé dans l'Atomis Wave, il est ultra sharp. Les scanlines, elles sont ultra sharp. Tu vois un jeu tourné sur la borne Atomis Wave, sur le CRT de l'Atomis Wave et sur une Blast City, c'est le jour et la nuit. Ouais. Par contre, je sais pas, je vois Goldomania qui me dit, Joe, les joueurs sont dispersés. Par contre, quand tu as une Blast City qui fonctionne, elle est hyper belle, cette borne. Mm. Tu vois. Il y a mon collègue qui dit aussi en France, les Blasts, c'est assez demandé et rare, contrairement à une Atomis Wave. Mais aujourd'hui, si je devais acheter une bande d'arcade, je n'achèterais pas une Blast. Il m'a vraiment fait réfléchir au truc. Parce qu'en plus, au Japon, bizarrement, au Japon, ils ont le skill. Ils ont plus de skill aux US. C'est ce que me disait Deshikawa-san. Ils ont plus de skill aux US pour refurbish, pour réparer qu'au Japon. Japon, ils savent réparer que de la Blast. Et Deshikawa, si tu remarqueras au fond, il a des Blast City qui n'utilise pas. Il me dit j'attends de les envoyer aux États-Unis pour qu'ils me les réparent. Ah, il t'a dit ça? Ouais, je savais pas. Ouais. Ah, tu vois, parce qu'il y a une grosse communauté de réparateurs entre guillemets là-bas aux États-Unis, quoi. Même en France, Ce que j'ai aussi. Vu aussi, ouais. Il y a des experts de ouf. Et il a Atomis Wave, donc je pense que ça va durer. T'as parlé des prix des PCB, mais c'est un bel objet à avoir. Bah, les PCB, le truc, c'est que ces salles d'arcade, en fait, c'est ça qu'ils savent pas. C'est que eux, les salles d'arcade, c'est des PCB qu'ils ont depuis des années, des dizaines et des dizaines d'années. Mmh. Ils n'ont pas payé au prix actuel. Tu vois, par exemple, un 2X, ça vaut hyper cher. La PCB, elle vaut hyper cher, tu vois, par exemple, parce qu'il est hyper recherché, ce jeu. Mmh. Mais par exemple, Deshikawa, c'est l'ancien owner du premier Big One qui lui a refilé les bandes d'arcade et les PCB. Refilé, et il m'a dit qu'il lui avait refilé vraiment pour pas cher. Tu vois. Ah, donc c'est très intéressant. Il y a un autre truc que je voulais mentionner, c'est que le fait que tu joues avec des Japonais, que tu es dans cette communauté avec des Japonais, ça te permet aussi de te sociabiliser avec les Japonais, ce qui est cool. Bien sûr. Tu vois, parce que souvent, pour se sociabiliser avec les gens, faut trouver des passions communes. Bien sûr. Tu vas pas te sociabiliser avec le Yamada du coin de la rue. Mm. Tu vois ce que je veux dire. Donc là, vous avez vraiment une passion commune. Et ça enrichit aussi ton vocabulaire. T'apprends vachement de japonais, non? Bah, déjà, c'est comme tu viens de le dire exactement à l'instant, pour rentrer dans un cercle de d'amateurs de quelque chose, dans peu importe le domaine, c'est bien d'avoir la même passion, quoi. À partir du moment où ils voient les Japonais que t'as la même passion qu'eux, tout d'un coup, ils se déstressent un peu, ils deviennent plus ouverts. Ils deviennent beaucoup plus friendly. C'est vrai, ça, les gars, retenez ça. Ouais. Et là, en l'occurrence, bon, là, je vais prendre l'arcade et les jeux de combat. Quand ils voient que tu gambarues dans le jeu, que tu fais des efforts, que tu t'améliores un peu, et tu vois, ils te regardent du coin de l'œil et puis après, ils viennent te parler. Ils me disent, si t'as du mal sur ça, peut-être qu'il faudrait faire ça. C'est bien, ça casse la glace. Voilà, c'est ça. Avoir le même point commun, la même passion, le même hobby, au Japon, c'est un bon moyen de se faire des connaissances, en fait. Ouais, mais il faut avoir une passion initiale commune. Bon, là, en l'occurrence, là, c'est les jeux de combat. Et oui, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à... Je dirais pas à grandir mon cercle d'amis, mais on va dire mon cercle de connaissances. Quoi, ouais. C'est vrai qu'à chaque fois que je parle avec eux, il n'y en a aucun qui parle anglais. Donc, t'apprends du vocabulaire. Et puis même, t'apprends, en japonais, ce qui est bien, t'apprends le vocabulaire spécifique lié au jeu. Tu vois ce que je veux dire? Sors-nous un petit kotoba. Là, t'as un petit truc qui te vient comme ça au travers de l'esprit. Gamen Rashi, Mekuri. Ouais, voilà. Ouais. Je sais pas moi, quoi, Zurasu. Ouais. Kaimaku, je te l'avais Le Kaimaku, c'est l'ouverture, ça, le Kaimaku, ouais, c'est ça. Ça, c'est le début du round, quoi. C'est vrai, le Kaimaku, il m'a appris des mots de mots japonais. C'est vrai que sorti de l'arcade, après, tu pourrais en faire un bouquin. Ouais, mais le Kaimaku, ça tue, le Kaimaku. Ouais, ça tue. Et puis on l'utilise, comme je te dis, pour les ouvertures de concert. Quand t'as concert, c'est ça, Kaimaku, je vois. Et t'apprends du nouveau vocabulaire comme ça. Mais ce qui est bien, c'est. Après, bon, c'est comme toi et moi, tu sais, tu sens vraiment que t'es au Japon.
Tu vois ce que je veux dire? T'es dans le milieu avec les japonais, t'entends pas un mot d'anglais ou ouais, ce ouais, que ouais, tu veux. T'es dépaysé total. T'as la même passion qu'eux et tu parles le même vocabulaire qu'eux, ça tue. C'est, ça clair. Tue. C'est clair. Donc là, bah demain d'ailleurs à Big One, il y a un gros tournoi là sur CBS. Explique-nous là, dans les jours à venir, qu'est-ce qu'il y a là? Parce qu'il y a un event de fou. Chaque année au Japon, en tout cas sur ce jeu-là, sur Capcom versus SNK2, il y a un gros tournoi qui arrive toujours à peu près au mois de novembre. Ouais. C'est le tournoi national. Donc demain, c'est le solo. Après-demain, dimanche, c'est le team. Et lundi, c'est du free play en gros quasiment toute la journée. Sur Capcom versus SNK2. Ouais, sur 3 jours, sur Capcom versus SNK2. À Minami Urawa Big One. Big One Second. C'est le Zenkoku Taikai. Ouais, c'est ça, Zenkoku Taikai. Donc ça rassemble tous les joueurs du Japon. Ça rassemble tous les joueurs du Japon sur CVS2. Tous les joueurs actifs encore du Japon sur CVS2. Donc pour le solo, ça fait. Ouais, je crois qu'on n'est pas loin d'une soixantaine. Et sur le team, c'est les mêmes que sur le solo. Peut-être un peu plus, peut-être 70. Un truc comme ça. La salle va être blindée, non exact, mais, hein. La salle va être blindée, non? Elle va être full quasiment, ouais. J'ai une question. Est-ce que tu crois que c'est Bass qui va encore gagner? Ouais, c'est dur, mais il sera dans le top 3. Il sera dans le top 3. Ce mec est légendaire. Hein, ouais, il est super fort. Il est hyper constant. Hein, c'est ça, en fait. C'est une machine, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est impressionnant à voir. Ouais, mais c'est une machine. Ouais, c'est ça, c'est impressionnant. Quand tu commences à être un peu un néophyte et tu commences à un peu avoir les détails du jeu, tu te dis, le mec, c'est un robot. Ouais, c'est une machine. Ouais. Alors après, ouais, c'est impressionnant à voir, bien sûr. Et tu joues majoritairement, donc tu joues sur Capcom versus SNK2, mais tu joues à d'autres jeux aussi, non? C'est, ouais. Tu joues à quoi? Je joue tous les grands Capcom de l'époque aussi. Ouais. C'est-à-dire, Sword Strike, Zero Three. Ouais, Zero Three principalement, Vampire Savior, ouais. Sword Strike. Après quelques jeux SNK aussi, mais en Capcom, c'est surtout ça, quoi. À l'heure actuelle, si tu devais dire... Yo, salut Pakun. À l'heure actuelle, si tu devais dire quelle est la plus grosse communauté, quel est le jeu qui est encore le plus joué parmi tous ces jeux de combat? À tu dirais que c'est là? Lequel? Ouais, à l'ancienne. C'est dur, hein, c'est, je dirais, ou 2X ou Sword Strike, quoi. Ouais. Il y a énormément de joueurs, toujours. C'est vrai que t'as pas vu le dernier Evo aux États-Unis, mais ouais, le Sword Strike, il y a eu un nombre d'entrées incroyable. Ah ouais. Je crois qu'il y a eu 5000 joueurs ou 6000 joueurs. Ouais. Il y a mon colichin qui dit en Europe, il y a un gros regain de Vampire Savior. Ah ouais, bah super. Franchement, super. C'est... Excellent jeu de Capcom, le Vampire Savior. C'est une licence que j'aime beaucoup, moi. J'adore Vampire Savior. Comme tu peux t'en douter pour C'est un extraterrestre un peu de chez Capcom, Vampire Savior. T'as l'impression que c'est l'époque où ils pouvaient se permettre de tout essayer. Voilà, c'est ça. Ils voulaient des nouveaux concepts. Bon, il y a des trucs qui étaient bien, il y a des trucs qui étaient moins bien, et puis il y a des trucs géniaux comme Vampire Savior, quoi. C'est vrai. C'est magnifique. J'ai une question à toi. Street Fighter EX plus Alpha, est-ce que ça a une place particulière pour toi ou pas? Alors, j'ai vraiment trouvé fun à jouer, les EX Alpha. Et les musiques aussi, elles étaient géniales. C'est des trucs qui m'ont marqué. Ça va venir, là, je les ai mis dans le mix. Ouais, tu les as mis. Et ouais, après, ça m'a... Il n'y a pas eu plus de tournois que ça. Moi, tu sais, il y a des trucs qui marquent, surtout quand il y a eu des gros tournois, des machins comme ça. Mais j'ai beaucoup aimé y jouer. Ouais, le mode training était génial, quoi. Je me rappelle avec les combos. Il y avait des combos super hardcore à faire. Et puis, ça m'avait. J'avais bien apprécié surtout. Il y avait le mode training de ouf. Ouais. Où il fallait que tu fasses des combos. Je trouve que c'était une super idée. Mmh. J'ai jamais réussi à tous les passer. Tu vois ce que je veux dire? EX, ça m'a. Moi, le premier, le EX plus Alpha. Il m'a marqué de ouf. Ouais. Et tu sais qu'à l'Evo, j'ai réussi à rencontrer comment il s'appelle le créateur là de Harada Janai. Harada, c'est Tekken, mais celui qui a créé Street Fighter là, comment il s'appelle là? Ah putain, je m'en souviens plus. Tu vois qui je veux dire? Le créateur de Street Fighter. Ouais. C'est lui qui a créé la boîte Aleka. Ouais. Tu vas se dire, ouais. ils ont fait Fighting Versus là, Fighting EX Plus. Ouais. Il était au truc et tout, j'ai pu lui parler, EX Layer, c'est ça? Ouais, EX Layer, ça m'a fait Doki Doki. Tu vois, je suis pas le seul, hein, MHK aussi, il a un gros souvenir sur EX Alpha. Plus Alpha. Ouais. Salut Akira Nishitani. Oui, merci Kalendash. Nishitani-san. Mm. Quelle honte à moi d'oublier un GOAT. De la sorte, Nishitani. Harada, super accessible, j'ai bien discuté avec lui. Ah ouais? Ouais. Parce que j'ai été à l'Evo il y a 2 ans, il me semble, grâce à toi d'ailleurs, c'est parce que j'ai eu une invite via Bass qui m'a laissé, parce que j'avais fait des images. Ça fait déjà 2 ans, ouais. Et d'ailleurs, les gens ne le savent pas, mais on s'était entraîné en scred sur Tekken 8 pendant un moment
pour éventuellement participer à l'Evo. Ouais. Mais je me suis vite rendu compte que c'est compliqué. En fait, en gros, il y a notre entraînement et il y a l'entraînement de... On a fait des sessions de fou, hein, genre 7 heures par jour. Hein. Ouais, les mecs qui jouent à Tekken, ils en font 14. Mais quoi. C'est un truc de fou. Moi, je les vois en train de streamer. On est des petits joueurs à côté, quoi. C'est ce que je veux dire. Il y a question de Noob de Gladia. Est-ce que Smash Bros, ça existe en arcade? La réponse est non. Non, ça n'existe pas. La réponse est non. Donc, donc toi, tu dirais que les jeux les plus joués à l'heure actuelle, c'est 2X. Le 2X. C'est fou parce que le 2X, il tue quand même. C'est un truc de fou. Et surtout que c'est un jeu de 1994. C'est ça. On est en 2024. C'est ça. Ça fait 30 ans que les mecs qui jouent. C'est un truc de dingue. Mais c'est Game Newton principalement qui fait du 2X. Alors, il y a Game Newton et. On les avait pas cités, mais il y a Game Newton. Ouais, il y a Game Newton et. GameSpot versus. À GameSpot versus, chaque mardi, il y a un gros tournoi. Il y a un gros tournoi. Mais je vous encourage, les gars, à venir dans ces salles et vous faire un kiff de ouf. C'est ça, en fait. C'est tout ce qu'on a toujours rêvé, tout ce qu'on a toujours fantasmé du Japon, quoi. Tu vois, il y a un truc aussi, on en a parlé juste à l'instant, c'est un jeu quand même, 2X, qui est sorti en 94. On est en 2024. Ouais. Mais il n'y a pas 10-20 joueurs dessus. Dans le Japon, tu dois peut-être avoir en joueur actif, allez, facile, peut-être entre... 150 et 200 joueurs, je dirais, tu vois. Et on est en 2024. C'est qu'il y a un truc. Combien tu as dit de joueurs? Entre 150 et 200. C'est énorme, en fait. Encore. Pour un jeu de 94, j'estime ça énorme. Hein. Ouais. C'est énorme. Pour un jeu qui a 30 ans. Parce que, en fait, je me dis quoi? Je me dis qu'on n'est pas les seuls à voir qu'en fait, ces jeux, ils sont intéressants. Il y a quand même presque 200 personnes dessus, quoi. Qu'il y a un truc sur le jeu, en fait. C'est ça. C'est qu'il y a un truc technique qui, à travers les années, qui a traversé les années, qui fait que c'est encore intéressant de nos jours actuellement. C'est pour ça que les types, ils jouent. Et ils découvrent encore des nouveaux trucs et qu'ils voient un côté technique intéressant, même encore actuellement, en 2024, quoi, 30 ans après. C'est vrai que quand tu prends tous les jeux de combat post... la playlist, elle est finie. Le truc de fond, on est arrivé à l'attente. Je vais remettre... Vas-y, remets. Je mets du 0-2, là. J'adore les musiques. Tu veux là. Du 0-2? Ah ouais, bah attends, mais je peux... Non, il faut que je me log. Attends. Merde, c'est cool. Oh, j'ai changé de mood. Je sais pas. Attends, est-ce qu'il faut que je fasse ça? Comment ça marche? Ils connaissent non seulement mieux le jeu que le créateur, mais même mieux que les programmeurs, à mon avis. C'est nice. 30 ans sur le même jeu, ouais, c'est... Est-ce que Lei Wulong est considéré comme un glitch en compétition? Lei Wulong, c'est sur Tekken, je pense. Ouais, c'est sur Tekken, ouais. Non, je pense pas, mais je déteste me battre contre ce perso. Ouais, je le trouve stylé, mais j'aime pas trop me battre conclu. Ouais, ah non, plus. Ça fait partie des... Comme Eddie Gordo, qu'est-ce qu'il dit? Mais du coup, ce serait quoi le jeu de versus parfait en 2024 selon toi? Il faudrait quoi, super visuel? Qu'est-ce qu'il faudrait pour un jeu parfait en 2024? Je vais vous dire, moi, le jeu parfait en 2024, ouais. Je vais être honnête avec toi, c'est Tekken 8. Ouais. C'est Tekken 8, il n'y a pas photo. Je trouve aucun défaut de jeu. Il est difficilement... En fait, je trouve qu'il est difficile à prendre en main. Bien sûr, très difficile. La prise en main est difficile. C'est-à-dire que vous allez jouer, les premiers combats que vous allez faire, vous allez être frustré parce que vous allez vous faire défoncer. Et en plus de ça, le mec, il va t'envoyer en l'air, il va te faire une combo, il va te finir au sol. T'as la barre de vie qui va arriver à zéro. Tu dis, mais attends, j'ai appuyé une seule fois, j'ai fait un seul coup, je me suis fait déjà exploser. Tu vois, en fait, pour faire simple, pour dire simple, Tekken 8, c'est un jeu qui, en 2024, il a la pêche, quoi. Il a la pêche. C'est-à-dire, quand tu le vois, les impacts des coups. Il a la pêche. Le rythme du jeu, quand tu commences à connaître la move list de tes persos et tu commences à y mettre un temps soit peu de stratégie, les persos, ils sont stylés. Les musiques sont mortelles. Il est assez prenable en main. Il est prenable en main assez facilement. Puis, je sais pas, il a la pêche, quoi. C'est vraiment un jeu. Si je devais y jouer en tant que pro gamer là maintenant dans les jeux de combat de nos jours, je me mettrais sur Tekken. Ouais. Mais tu vois, Gladia, il fait un commentaire pertinent. Il dit que tu embarques pas de nouveaux joueurs en versus fighting si tu les frustres. Il y a plus de patience, les gens zappent. C'est vrai, hein. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pour ça qu'il y a Tekken 8. Ce qu'ils ont fait de bien, c'est que c'est un jeu qui est très technique et très difficile, mais qu'ils ont aussi niveau de jeu, quoi. Ils ont aussi donné des facilités parce que t'as des boutons. Qui font déjà des pré-combos, ouais, en fait. Bien tu sûr. Vois. C'est ce que les jeux de maintenant font, quoi. Parce que comme les viewers ils disent, là, ça peut les frustrer certains pour faire certaines manips, quoi. Ouais. Avant, on n'avait pas le choix, tu vois. Non, t'avais pas le choix. Ou tu les apprenais ou tu mourais, quoi. C'est vrai.
Ouais, enfin, moi j'aime bien l'ancien système aussi. C'est, tu sais, tu mettais de la motivation dans le jeu que tu voulais. Et puis après, bon, si tu voulais persister, bah, tu devenais de plus en plus fort. Maintenant, ouais, c'est vrai que pour attirer le plus de monde possible, il y a un côté mercantile de ça aussi. C'est peut-être ça. Faire de l'argent. C'est-à-dire que faut rendre le jeu technique pour les anciens joueurs. Ouais. Il faut rendre accessible, pour accessible les nouveaux pour joueurs. Les, pour les nouveaux arrivants. Ouais. Bon, moi, mon point de vue sur ça, c'est bien. Et puis c'est pas bien aussi. C'est faire une boule de feu, ça jamais. Jamais relevé de l'impossible, quoi. Ouais, ouais. Maintenant, bon, il t'appuie sur une direction et un bouton, et puis c'est vrai ce qu'il dit. C'est vrai ce que dit Gladia. Avant, tu jouais sur le canapé avec tes potes. De moins en moins, tu joues sur le canapé avec tes potes. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, maintenant, tout est en ligne. C'est vrai que tout est en ligne. Et je trouve que le en ligne, moi, par exemple, sur Tekken 8, quand je jouais beaucoup en ligne, bah, je trouvais que le système il était on balance parce que des fois, tu te retrouvais avec des joueurs hyper forts face à toi, mais qui avaient un niveau bas parce qu'ils venaient de commencer et tu te faisais défoncer. Et au bout d'un moment, t'en as marre, en fait, tu vois. Ouais. Et tu t'abandonnes un peu, quoi. Tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Mais ça... Tekken, sinon, Tekken 8, point positif, je te coupe, mais c'est l'ambiance. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je disais le jeu, il est à la pêche, en fait. C'est un tout, c'est l'ambiance, en fait. Character design. Mais ça tue. Aux petits oignons. Ça tue. Costume design, aux petits oignons. Ouais. Tu vois, par exemple, Street 6, j'accroche pas. En fait, c'est flat un peu, je trouve, Street 6. C'est... T'as du mal un peu à t'identifier au perso. Je sais pas comment te dire. Tu sais, les persos dans Tekken, tu sens, ils ont un peu la hargne. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Ils sont designés vénère pour aller au combat. Quoi, tu vois. C'est vrai que c'est beaucoup plus coloré. Mais j'avais fait la remarque à Harada à l'Evo. Je lui ai dit, moi, je suis un joueur de Street, mais cette année, je ne jouerai pas à Street 6. Je jouerai à Tekken 8. Et il m'a dit pourquoi. Il m'a dit colorful da kara. J'ai fait so no tori des. C'est trop colorful. Ouais. Puis même, je sais pas ce qu'ils ont fait à Kami. C'est pas possible. Yuru Sanai. Tu vois. Ouais. Ils en ont fait une espèce de combattante MMA sous stéro. Ouais. Franchement, je déteste ça. Puis même, le character design des persos, il est bidon. Il est inspiré, je dirais. C'est ça. Quand tu vois. C'est flat, en fait. Je sais pas, y a pas de personnalité qui ressort. On dirait que c'est la personnalité. Non, mais c'est pas. C'est un truc qui a été fait. Bateau. C'est un truc qui a été fait pour plaire à tout le monde. Donc, voilà, Tekken 8. C'est ça que j'aime pas trop de nos jours. C'est il faut plaire à tout le monde. Avant, les jeux de combat, c'était un truc de niche. Tu vois. C'était un jeu de niche. On l'a pas précisé, mais c'était où t'adorais ça et tu te mettais à fond, ou tu jouais pas, tu passais ton chemin. J'ai envie de dire, t'allais jouer à d'autres jeux, tu vois. Mais là, maintenant, ils essayent de rendre ces jeux niches, comment je pourrais dire, universels et accessibles à tout le monde. Mais pour ça, ils sont obligés de changer ce qui a fait l'âge d'or des jeux de combat. Ils sont obligés de changer l'ambiance, de faire perdre un peu, pas en qualité, mais en explosivité, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Bah, à l'heure actuelle, on est tellement dans une époque pourrie qu'ils n'osent même plus sortir un Dead or Alive. Le mec, il l'a dit, c'est plus possible de sortir un Dead or Alive. Et puis même le Beach Volley, c'est un truc, je crois que ça sort. Extra Beach Volley, je crois que ça sort que au Japon ou un truc comme ça. Ouais. Ils osent plus sortir un Dead or Alive. Ouais. Ils osent plus sortir un Darkstalker. Ouais, ouais. Parce que. Alors il faudrait leur mettre. C'est un trop peu sexualisé, plus de vêtements, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Machin, etc. Mais ça, c'est ce qu'on aime. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Mais ça donnait un style au jeu aussi. Ça donnait un style. Ça nous a pas rendu des psychopathes pour autant, quoi. Non, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment le pas bon. Bon, pas en Europe, mais bon, qu'est-ce qu'il y a pas en Europe? Si ça ressort, Street Fighter, c'est devenu woke à 100%. Pas de personnalité, car personnage créé sur un agenda politique et pas créatif libre. Oui, c'est vrai que Capcom, ils sont quand même gangrénés par ce qu'ils appellent le DEI, quoi. Bah, toutes les grosses boîtes là maintenant, j'ai l'impression que c'est ça, quoi, un peu. Hein. C'est... Ah bah, tiens, Extreme 3, pas vendu en Europe. Ouais. Extreme 3, il n'est pas vendu en Europe. Ah ouais, bah tu vois. Tu peux plus trincer l'œil, dit Umibozu. Non, c'est fini, tu peux plus trincer l'œil. Bah, tu peux faire tes propres skins, je crois, sur PC quand même. Maintenant. Ah, ça, je sais pas. Ouais, si. Ça, je sais pas. Mais pareil, Tekken 8, le character design, putain, mais qu'est-ce qu'il envoie, quoi. Mais ouais. Qu'est-ce qu'il envoie ? Qu'est-ce qu'il est beau, ce jeu ? Tu prends des persos, je sais pas, ouais. Tu prends un perso comme Brian. C'est quoi, Brian ? C'est un cyborg. Brian Fury, Brian Fury. C'est un cyborg de psychopathe. Oh ouais. Ah bon, c'est bon, ça me va, moi je joue. Et tu c'est mon sens, perso. Tu sens, même les Mishima, hein, tu les sens, ils sont vénères. Ils ont, en plus, même les vêtements, enfin le mais cuir, ça tue, ça le tue. Design. T'as vu le trailer de, je sais pas si tu regardes récemment, de Heihachi, le dernier perso. Non, je l'ai pas là, vu. On pourra le regarder après le trailer de Heihachi. Trop bien, juste regarde son arrivée, comment ça tue. Mais tu vois, Gladia, il dit, il est caricatural dans le bon sens du terme, Tekken, tout l'inverse de Street 6. Voilà, non, mais c'est exactement ça. C'est ça. Sexy Pakun, il dit, j'ai joué à
Ah bah j'ai pas énormément joué à des jeux de versus, mais par contre j'ai saigné Killer Instinct. Quel jeu de ouf! Ouais, Killer Instinct. Ça avec Vulgor. C'est un nouveau jeu aussi dans son délire, hein, Killer Instinct. Ouais, non mais c'est Rubber Roses. Bien sûr, je l'ai connu sur, j'ai connu ce jeu sur PS2. C'était le jeu de catch avec que des filles, je crois. C'était ça. Non mais prochaine sortie en 2025. Attends, je clique sur le lien de mon Colichan. Ah oui, mais ça c'est sûr, les gars. Prism Vacation, je vais le faire. On le fera. Bien. Putain, on les emmerde. Elle est magnifique. Ça, voilà, ça, c'est du jeu japonais, ça. C'est tout ce qu'on a envie. Extrême. Et donc... Trop bien. Attends, on en est où, là? Qu'est-ce qu'ils disent? T'inquiète, on sera deux. On pourra même le faire en live, comme ça, je pourrais même me faire sauter ma chaîne, je pourrais même me faire bannir. Voilà. Et comme ça, et ma carrière... plus fort. Exactement, ma carrière de streamer sera finie. De toute façon, je suis pas allé bien loin. Hein. Merci aux 41 viewers aujourd'hui, c'est exceptionnel, mon collègue. Doitashi Machete Tekanji. Alors... Mortal Kombat aussi, ça déchire. C'est vrai que Mortal Kombat sur Super Famicom, pour le coup, parce que moi j'ai découvert sur Super Famicom, pour le coup, c'est vrai que ça tabassait. Ouais, pareil. Enfin, moi c'était sur Mega Drive, mais ça tue. Et aussi sur arcade. Première fois que j'ai joué, c'était dans une fête foraine, je crois. C'était il y a bien longtemps. La bonne époque des fêtes foraines. C'était stylé Mortal Kombat en son temps. Tu sais, je vais te dire un truc, j'ai un souvenir d'une borne d'arcade, c'est la Net City. Ouais. Tu sais pourquoi? Ouais. Parce que quand j'étais au lycée, il y avait un rad. Il y avait un bar tabac qui avait une borne Crazy Taxi. Mm. Tu sais, mais c'était la borne debout. Ouais, ouais, ouais. Et c'était une Net City. Et je me rappelle, le matin, je partais en avance de chez moi juste pour passer et aller au rad qui ouvrait à genre 7h pour pouvoir jouer, me faire une partie de Crazy Taxi. Ça, c'était un jeu de ouf aussi. Ça fait partie des meilleurs souvenirs de Dreamcast, Crazy Taxi, les amis. Ouais, c'est pareil, ils l'ont mis sur Dreamcast après. C'est pour ça que la Dreamcast, c'était une console 100% arcade, quoi. C'était... Je suis d'accord. Ah, attends, Jarel, il dit, il y a Fatal Fury City of the Wolf prévu pour 2025 qui me donne envie. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, j'ai vu plusieurs trailers du jeu. J'ai pas... J'aurais bien voulu y jouer, j'aurais pu y jouer la dernière fois qu'il l'avait mis en location test là. Mais je sais pas, à voir. Il y a pas mal de systèmes de combat dedans. Le jeu, il a l'air assez beau. Mais bon, c'est toujours, je sais pas, à voir. J'ai pas eu le jeu encore entre les mains. Ouais, moi je le sens pas trop. Moi, ouais, c'est ça, c'est ça qui me fait peur. Je te le dis honnêtement, je sens pas. Le problème de nos jours, c'est ce qu'on vient de dire, c'est qu'il faut, qu'ils se mettent au niveau des autres jeux, quoi. Ouais. Au niveau, comment je peux dire? Pourtant, ils ont des licences de fou. Hein, SNK. Ouais, la licence Fatal Fury, c'est génial, tu vois. Mais ça a toujours été une licence qui a été stylée, la série des Fatal Fury, tu vois. Je suis d'accord. Le dernier, avec Mark of the Wolf, ça a été une référence. Est-ce que celui-là, il prendra le pas sur son prédécesseur? Je sais pas, j'ai pas eu le jeu, c'est difficile de dire pour l'instant. Bah ouais, je vois moi. Mais Mark of the Wolf. Mais j'ai plus confiance en SNK parce que c'est des Coréens, je crois, qu'ils ont racheté la boîte, tu le sais ça. Mais non, je crois que c'est des Saoudiens, mon gars. Ah, c'est des Saoudiens, ouais, mais je crois que. Moi, quand j'étais à l'Evo la dernière fois, ouais. Ils faisaient une présentation justement. SNK, de... ça appartient. Je crois. C'est pas des Coréens, moi, c'est des Saoudiens. Ouais. Ah ouais, t'as raison, c'est des Saoudiens. Des Saoudiens. Ouais, je sais pas pourquoi, j'ai cru que c'était des Coréens. SNK, ça a été racheté par des Saoudiens. Ils font que de la merde avec leur licence. Il y a trop de jeux fighting différents pour une commu finalement de niche. Ça disperse la commu au final. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, je trouve qu'il y a... Bah ouais, mais tous les jeux de combat ne se valent pas et n'ont pas la même ambiance. Hein, parce que tu cherches dans un jeu de combat A, tu ne vas pas forcément trouver dans un jeu de combat B. C'est pour ça qu'il y a eu des Capcom, il y a eu des SNK. Tu t'en sentais plus ou moins proche selon le chara-design, selon les musiques, selon l'ambiance générale du jeu. Moi, j'ai toujours été un peu plus Capcom, même si SNK, ça m'a plus fait rêver. D'ailleurs, on peut parler de la Neo Geo si tu veux dans quelques temps. Ouais, bien sûr, ouais, on peut carrément switcher là-dessus. Ouais. SNK, ça m'a plus fait rêver, mais au niveau du versus fighting, c'est-à-dire de jouer avec des joueurs à côté de moi ou en face de moi, j'ai toujours préféré les jeux Capcom en général. Ouais, ouais. Ouais. Bah, les jeux Capcom, c'était un peu les jeux accessibles et les jeux SNK, c'était un peu les jeux inaccessibles. Dans quel sens? Bah, par rapport à la plateforme, en fait. Ah oui, à la plateforme. T'avais plus de chances d'avoir accès à des jeux Capcom qu'à des jeux SNK, parce que les jeux SNK étaient fatalement que sur des systèmes SNK, alors que les jeux Capcom étaient en arcade, étaient sur Nintendo, étaient sur Sega. C'est vrai qu'il nous a fallu des années pour commencer à jouer à des jeux SNK, hors Neo Geo, je parle. Ouais, ouais. Et donc, c'est quoi ce truc avec la Neo Geo chez toi? Bah, c'est ce que j'ai dit un peu au tout début, quand on a commencé par rapport à l'arcade. En fait, de toute façon, SNK, c'est l'arcade. Hein. C'est que c'était le côté inaccessible. Quand t'es gamin, t'as ça, tu passes devant un café ou tu tiens un console plus ou un joypad ou un player one,
et tu vois un jeu, tu te renseignes un peu, tu regardes c'est quoi la console, c'est une Neo Geo, ok, tu tombes sur les pubs dans les magazines des boutiques de Paris à l'époque, tu vois les prix, et puis je demande ça à ma mère pour Noël, et puis elle me met une gifle. Elle me dit, mais tu te fous de moi ou quoi? Ah, le traumatisme. Je te jure, je te jure. Ah, le traumatisme. Parce que ça coûtait un, ça coûtait un salaire. Ouais, ça coûtait combien une carte? La console, elle était 4000 francs à l'époque. 4000 francs, je crois. Et la cartouche, c'était à peu près combien? Mais c'était tout aussi cher, de toute façon. 500, 600, 700 francs. Non, je crois que c'était à 1500 francs. Ou ah oui, d'accord. Je crois que c'était 1500 francs de mémoire. Ça faisait trois fois le prix d'un jeu. Donc, déjà, c'était inaccessible pour nous. Ah, bah oui. C'était inaccessible pour nous. Alors, comme tout ce qui est inaccessible pour les hommes en général, ça nous intéresse. On veut toujours ce qui est inaccessible. C'est ça a trotté dans ma tête pendant des années. Les femmes et la Neo Geo, quoi. Ouais. Bah alors attends, j'ai un truc pour toi. Ouais. Ça va te parler. Pour moi, la Neo Geo, c'était la Tabata Cash des consoles. D'accord. Ah ouais. Putain. D'accord. Les deux, je les mets incroyable au même niveau. S'il y en a qui connaissent Tabata Cash sur le chat là. Les deux, je les mettais au même niveau. J'avais deux fantasmes quand dans les années 90. C'était la Neo Geo et Tabata Cash. Et il y en a un que j'ai pu assouvir. C'était la Neo Geo. Bon, l'autre, ça restera un rêve. C'est voilà, incroyable. Comprendre ce qui C'est vrai que Tabata Cash, c'est vraiment la référence à l'ancienne. Ah ouais, ça c'était. Team vieux, que dit Tyrell. À l'ancienne, Tabata. Donc j'ai pu avoir la Neo Geo, j'ai pas pu avoir l'autre, mais c'était un rêve, quoi. T'as eu quoi comme jeu à l'époque? Parce que j'imagine que t'avais tout eu les jeux. Non, d'abord, j'ai eu les ersatz de conversion Neo Geo sur PlayStation avec des chargements que t'as le temps d'aller te prendre un sandwich en bas en bas de ton bâtiment. D'ailleurs, en termes de chargement, la Neo Geo CD, c'était horrible. Ma première Neo Geo, c'était une Neo Geo CD. J'avais pas le choix. Le seul truc bien qui était bien sur Neo Geo CD, c'était les musiques arrange. Ouais. Les musiques arrange. Qualité CD, là. C'était un truc de fou. Pour ceux qui aiment bien les musiques de chez SNK, c'était le seul point... C'était le seul point positif. C'est vrai après que les chargements, pas. C'était un truc de dingue. Non, mais quoi. C'était 4000 francs avec l'inflation, ça fait 900 euros aujourd'hui. C'est un truc de fou, quoi. Ouais. Selon l'INSEE. Ouais. Donc, selon l'INSEE, ta Neo Geo aujourd'hui, faudrait débourser 900 francs à peu près. Ouais. Et donc, j'ai eu la Neo Geo CD, j'avais pas le choix. Ouais. Et quelques années plus tard, avec mes premiers petits baïtos, mes premiers petits boulots, j'ai pu me payer une Neo Geo cartouche en loose. Ok. On t'a acheté la République, ouais. T'avais pas encore la Neo Geo actuelle. Hein? T'avais la CD? Non, j'avais la CD après, je l'ai revendu la CD, j'ai pris une cartouche en loose. Ok. Et je me suis T'as pris une console, la console, la AES, quoi. Ouais, c'est ça. Okay. C'était à Paris, j'ai gardé quelques années, je l'ai revendu. Et à partir du moment. Pour moi, j'avais toujours pas la Neo Geo dans ma tête. Mm-hmm. Je vais te dire pourquoi. T'avais pas la boîte? Voilà. Ouais. J'avais pas le set originel. T'as pas eu l'expérience ultime. Voilà. Attends, t'as eu l'expérience de cadeau. Et donc, j'avais toujours pas de Neo Geo dans ma tête, en fait, parce que j'avais un truc qui avait appartenu à quelqu'un qui avait été sali, tu vois, c'était plus vierge. Ouais. Donc, ça me plaisait pas. Incroyable. Donc, il s'est passé toujours cette obsession dans ma tête d'avoir une Neo Geo boîte full set complet. Ouais, ouais, ouais. Enfin, full set, j'entends tout ce qu'il y avait dedans. Hein. Ouais, je parle pas du full set Neo Geo. Et j'ai toujours voulu l'avoir. Et quelques années sont passées après être revenu au Japon et m'être installé correctement. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Un gars comme moi, quand on a fantasmé pendant des années, mais il me la faut, ma Neo Geo en boîte. Il me faut ma Neo Geo en boîte japonaise au Japon. C'est mon truc. Ouais, ouais, voilà, c'était dans ma tête. Bah, c'est le rêve ultime. Bah, mais bien sûr, bien sûr. Et 1990, elle est sortie. J'avais envie d'être ce gamin qui aurait pu potentiellement ouvrir sous le sapin de Noël en décembre 1990 sa Neo Geo en boîte, de retirer le papier cadeau et de tenir ça. Mais c'était impossible. Tu vois. On les a vus, ces images. Elle était même pas en 90 en Europe, je crois. Et... mieux encore, hein, donc, au Japon, dans les années 90. J'ai dû attendre 2018 pour me le prendre sur Mercalli. Mais c'est toujours resté dans ma tête. Donc, depuis 1990 jusqu'à 2018, 18 ans quand même, il s'est passé. Pour que tu aies, et je l'ai eu quand même. Que tu aies ton full set. Neo Geo en pristine condition. Nickel. Je ne sais pas s'il y en a des possesseurs de Neo Geo. Il y a beaucoup de collectionneurs. Là, elle est magnifique, la mienne. Il n'y a pas un pet. Hein, j'ai mis du temps pour l'avoir, celle-là. C'est vrai donc qu'elle nickel, est, le polystyrène, rien qui est abîmé. Le mec, j'ai même pas l'impression qu'il y a joué, quoi. D'ailleurs, je t'ai conseillé de la sortir une fois et de plus la remettre dans la boîte. Ouais, bah ouais, parce qu'à chaque fois que tu sors la console, tu niques les et que tu la remets, tu niques en carton et tu t'abîmes un peu le polystyrène. Donc j'ai sorti juste le carton, il est mis à part, bien à part. Et ma femme qui pose rien ni dessus ni autour. Hein. Ouais, c'est sacré. Il faut absolument rien mettre dessus. Ah non. Et puis dans un placard, c'est spécifique. Tu, moi, et je te conseille console, de après, elle est dans son de mettre un vinyle aussi autour de la boîte. Hein.
Ouais. Un sac poubelle ou un truc comme ça. Il y a MHK qui dit, est-ce que tu connais Advanced GV? Bien sûr, on connaît Advanced VG, on y joue même à Advanced VG. Et même, j'ai vu, il y a des tournois d'Advanced GV. Tu savais? À l'Evo, il y avait beaucoup de gens qui jouaient à Advanced VG. Ouais. Ouais, c'était... Attends, il y a Gladia qui dit, on a soufflé sur la lentille. On a tous soufflé sur la lentille. Et je vais même te dire, on a tous soufflé sur la lentille de PS1. Bon, on a même tous retourné la c'est PS1. Ça, c'est ça, pour moi, c'est ça ce qui marchait le mieux. Hein, ouais. Retourner la PS1. Tu la mettais sur le capot, quoi, en fait. Tu la mettais sur le capot. Au bout d'un moment, quand la lentille, elle flashait, Goldomania, il a eu la chance d'avoir la cartouche. Elle était énorme. Tu parles de quoi de... Les cartouches Neo Geo. Ah, les cartouches Neo Geo, ouais. Ah ouais, c'est énorme. Ou le Dico sur le capot. Non, mais c'est vrai, on a tout essayé à l'époque. Ça tue. Ah non, mais c'est excellent. Et donc, finalement, 18 ans après, t'as eu ton Neo Geo. Mais moi aussi, je fais les trucs par rétroactivité. Je reviens en arrière et je mets tous les trucs que j'ai pas pu avoir. Bien sûr, bien sûr. C'est la vengeance de. Quand on était enfant, de ce qu'on n'a pas eu. Le matrixage des magasins, des boutiques. Mais il y a eu ça. Les magazines, ça y a joué beaucoup. Tu bavais devant. Si tu voulais avoir d'autres, t'avais le prix que ça coûtait à l'époque. Et en plus, tout était tellement donc, exotique. Quand tu fantasmes dessus pendant des années, ça reste dans un coin de ta tête. Et puis quand tu commences à avoir du pouvoir d'achat, bah, tu te venges. Non, mais je suis dit. Je pense que tu me comprends. Moi, j'ai tellement. Du moment où j'ai eu du pouvoir d'achat, j'ai commencé à acheter des trucs dans tous les sens. Ouais, c'est ça, le plus vendu, c'est KOF 95, c'est ça. Ça a été le jeu le plus vendu sur Neo Geo. Mais on en trouve de moins en moins. C'est le jeu qu'on trouvait partout. Ah ouais. Maintenant, on en trouve de moins en moins. Moi aussi, on trouve encore. On m'avait donné 95, une PS1. Ouais. Je devais la démarrer en soulevant le capot avec un cure-dent. Je sais pas pourquoi. Ouais, si. Parce que le cure-dent, c'était pour swapper le CD, oui, non? Il y avait un ressort. Ouais, c'est vrai, je me rappelle. Ouais. On n'a pas MHK qui dit on n'a pas eu beaucoup de choses à l'époque. Mais oui, on a eu que dalle. Là, je remets un peu. On reprend. On est vraiment sur la fin. Vous avez vu les amis ce que ça envoie du lourd. Les jeux japonais de baston. Des années 90, Capcom versus NK2, Sword Strike, Darkstalker, tout ce qu'on aime en fait, les amis, avec un zeste de H, avec un zeste de hentai, avec un zeste de E, avec un zeste de Etchi. Ce qu'on veut, c'est voir des culottes et des gros nibards, c'est tout. Ok, t'es d'accord avec moi? Et des persos qui envoient du lourd, ça tape dans tous les sens avec un gameplay de malade et un character design qui envoie du lourd, way too. C'est simple, il n'y a rien d'autre, regardez mes figurines partout, je veux de la pulpe, tu vois ce que je veux dire? Tout ce qu'on adore, quoi. Tout ce qu'on adore, si vous saviez, les amis, tout ce qu'il y a dans les armoires, mon Dieu. Donc, écoutez, c'était génial, pour finir, un avis sur Sparking Zero. Est-ce que tu as vu Sparking Zero? Alors, je l'ai vu tourner, ouais. Il a vraiment pas l'air mal, hein. C'est un autre délire que le dernier Fighter Z là. Ouais. Mais à voir. Hein. J'ai pas eu de gens encore entre les mains, mais il a l'air intéressant, quoi. Écoutez, à voir. Très beau en tout cas. Quoi qu'il en soit, les amis. Quoi qu'il en soit, hein. So hentai wa doko desu ka. C'est vrai que la première fois que je suis arrivé au Japon pour demander des hero manga. Je suis allé, j'ai dit hentai wa doko desu ka, sans savoir, sans être éduqué, sans avoir l'éducation adéquate, justement, les amis, pour découvrir ce monde. Ouais, quoi qu'il en soit. Il a dû te regarder avec des yeux. Oh, il m'a dit hentai, achi desu. Beaucoup déçu. Hentai. Pour moi et mon hentai d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, les potos, les amis, les amigos, les amiibo, on va se quitter hein, sur ce live-là. J'espère que c'était cool. On a parlé d'arcade, on vous a fait découvrir quelques jeux que sûrement vous connaissiez déjà, mais ça vaut toujours le coup de revisiter les classiques, les gars. On a fait quand même 2h40, hein, c'est cool, 2h35, 2h40. Et puis on a des gens de toutes les générations, tu vois, par exemple Mike Inazia, c'est un mec qui est dans la vingtaine, qui découvre aussi au travers de nous les bonnes choses, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mike, va te perdre dans un game center. Tyrell, merci pour ton contact avec Agnès, je sais que c'est toi, tu me l'avais dit la dernière fois, mais elle va faire une interview de moi pour sa colonne dans Libération. Dans les 400Q, j'apparaîtrai, je pense, dans la colonne d'Agnès dans les 400Q. Tu vois ce que je veux dire? Et des gens comme moi qui sont la team vieux. Mais oui, t'es la team vieux. On est tous la team, les amis. Donc voilà, Way Too, Sexy Pacoon. Merci, les gars. Y'a Joe dans les 400Q. Exactement. Ça va être incroyable. Donc, rendez-vous peut-être demain ou après-demain. Putain, il va y avoir la pub là. Attendez. Je pré-roll. Ah, Elisabeth. J'espère qu'il n'y a pas de pub là, non? Vous avez une pub là? Non, ok, il n'y a pas de pub. J'espère. Je vais aller couvrir quand même Big One. Alors, je sais pas, je peux rien vous garantir. Je serai avec Cyril. Lui, il fera part. Il va jouer.
au tournoi, donc j'irai. Ouais. Je vous ferai visiter la salle en live, en fait, avec mon téléphone. Je vous montrerai l'ambiance. Il y a plein de joueurs. Vous allez voir, les amis, l'arcade est encore en vie. L'esprit est encore en vie. Je vous enverrai le lien, les gars. Je vous enverrai le lien. Mort de rire, Joe, il a dû connaître bien plus que les 400 que si tu savais. Je suis de mariage, mais je regarderai la rediff. Ok, ça marche, les gars. Écoutez, bonne soirée à vous, bonne journée à vous, bonne fin de soirée à vous, les amis. Et on se retrouve la prochaine fois, très bientôt. J'espère que tu pourras faire le live, car après, je repars en mode sous-main. Ah ouais. Ok, ça marche, Mike. Les gars, salabada, comme on dit tout le tour. Et on se laisse sur... Vous écoutez cette vibe-là ? Les amis, comme je dis toujours, salabada. Best one.